Maman, colo, mon sauce salité.
Seigneur, pour ce merveilleux nom qu'il nous a donné, contre le, avec lequel nous pouvons battre tout l'ennemi. Remercions-le, remercions-le. Ce nom qui octroie le salut, ce nom glorieux, ce nom magnifique, Seigneur qui est élevé. Seigneur, merci pour ton nom qui est donné. Ce nom, le seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci Seigneur pour ce nom magnifique. Seigneur, qui nous donne le salut. Quel nom magnifique. Quel nom glorieux. Quel nom merveilleux. Le nom magnifique du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta gloire. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta bonté. Sois exalté, sois élevé. Car jamais, même dans le sommeil, que nos lèvres te louent, nos cœurs te louent, notre âme te célèbre et notre esprit te lève. Car tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être magnifié, digne d'être glorifié, digne d'être exalté. Merci Seigneur, merci Père. Seigneur, la Bible déclare que ce nom
est une tour forte et le juste s'y réfugie se trouve en sûreté. Le nom qui donne la sûreté, ce nom qui est notre rocher, notre bannière, notre protection. Le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom se soit élevé. Alléluia, alléluia, alléluia. Et que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Dis, mon frère, je t'aime. Mon frère extraterrestre, bienvenue. Ma soeur extraterrestre, bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Qui aime le Seigneur Jésus ici? Qui aime le Seigneur? Vous tous aimez le Seigneur? Vous aimez le Seigneur? Inclinons la tête, prions, d'accord? Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour tes offres. Merci pour tes plans conçus d'avance et qui se réalisent dans nos vies. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que très souvent nous ne comprenons pas les tenants et les aboutissants de ces plans. Mais ô combien tu es le guide de nos vies. Tu nous conduis, Père de gloire, vers les verts pâturages. Très souvent, Père, tu sembles être silencieux et les embûches de cette vie ici teignent à au Père de gloire à nous faire peur, mais tu es toujours avec nous, car tu ne nous as jamais quittés. Ton amour avec nous, au Dieu de gloire, est éternel. Seigneur, nous t'aimons d'un amour inébranlable. Toi, tu es fidèle et tu nous adresses à une saine vocation. Père de gloire, nous sommes ici encore ce soir pour te rendre grâce et te dire, Père, que nous t'aimons. Seigneur, ce peuple et pour tous ceux-là qui nous écoutent dans le monde entier, nous t'aimons de tout notre cœur et nous désirons ta présence, Père de gloire. Que tu prennes le contrôle de l'église que tu as décidé de bâtir par toi-même. Cette église que tu as acquise une fois pour toutes à Golgotha par ton précieux sang. C'est pourquoi, au Père de gloire, c'est l'objet de notre rassemblement encore ici, car c'est ton esprit que nous y a convoqué. Et nous sommes présents, Père de gloire, en soumission totale et inébranlable à ton esprit qui nous a convoqué, afin que tu nous donnes, au Père de gloire, ce pain pour nous permettre de nous édifier pour la gloire de ton Saint-Royaume. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Prenons la Bible donc, prenons la Bible, prenons la Bible. Nous avons passé un merveilleux moment hier, n'est-ce pas? Amen. Et vous voyez que ma voix en a pris un coup. Qui peut encore crier Alléluia comme hier? Vous pouvez crier, tu peux crier. Quand on finissait, tu n'étais même pas au courant. Ça va? Pendant qu'on est avant qu'on nous... Ah, ça a commencé. Ne faites pas comme ça commence encore comme hier. Là, je me maîtrise, hein. Il faut qu'on finisse. Il y a certaines choses qu'il faut qu'on finisse cette semaine-ci pour que la semaine qui commence de l'autre côté, lundi, on commence vraiment avec la prière intense concernant cette époque-ci, d'accord? On a besoin de la compréhension, de la transformation de notre homme intérieur. On a besoin de cette compréhension, d'accord? Mais chaque fois qu'on avance, il faut que vous compreniez. Il faut que vous cessez. Permettez à ces enfants-ci. Garçon, prends ta chaise, prends ta chaise. Viens ici, David, viens. Prends ta chaise, viens. Prends ta chaise à toi. Prends une chaise là-bas. Viens. Mets ici. Très bien. Assieds-toi ici, tu mets ton pied ici, d'accord? Toi, viens. Et mets ta chaise ici. Tu es bien assis, n'est-ce pas?
ces enfants que vous voyez, ce sont des guerriers du Seigneur. Amen. Et Dieu va les utiliser. Amen. Alors, je te dis en ceci, pendant qu'on est en train de progresser chaque fois, pensez-y et saisissez ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est la fondation de ce qui va être déployé plus tard. D'accord? Nous sommes en train de déconstruire ce que la religion a construit. Et nous sommes en train de construire ce sur quoi le Saint-Esprit va se bâtir sur nos cœurs pour étendre la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord, frère? Amen. Voilà. Avant cela, donc, si le Seigneur... Qui sont ceux qui étaient ici hier soir, dans la nuit, pour tous? Très bien. Si le Seigneur t'a touché et que tu as une reconnaissance à lui faire, viens dans le carreau ici. Tu nous dis ce que c'est. Qui commence? Qui commence? Y a-t-il des témoignages? Viens, ma soeur, viens. Applaudissons pour la soeur là. Qui d'autre? Il faut qu'elle sache combien de personnes pour savoir. Donc. Il y a cette soeur. Attendez un moment. Un. Levez les mains. C'est ceux qui veulent témoigner. Deux, trois, quatre, cinq, six, oui, sept, huit, donc, et neuf. Vous voulez conduire ici aujourd'hui? Neuf, ok. Donc, après, comme ça, d'accord? Donc, ne te regarde pas ici. Et, voilà. Ceux-ci sont des anciens. C'est les nouveaux, d'accord? Parle-les. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Maëva. Maëva? Oui. Comme une jeune petite fille. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est vraiment long, mais je vais essayer d'écouter. Ma vie n'était pas facile. Hein. Ça n'a pas vraiment été facile. En tant que jeune fille, avec la jeunesse et ce qui se passe autour, j'essayais de me conformer. Je sentais que ce n'était pas mon endroit. J'essayais. Et avec mon papa aussi qui parlait, c'est vrai, il était trop dur. Comme un dictateur, non? Oui, dictateur, ça. Mais tu l'aimais quand même? Oui, je l'aime beaucoup. Très bien. Et le Seigneur, peu à peu, il m'attira à lui, peu à peu. Je me suis dit, ok, je ne vais même plus gérer papa. Qui croit ou qui ne croit pas, c'est son problème. Moi, je sais que le Dieu qui est là, s'il est vraiment Dieu, comme il dit, s'il m'a choisi, non, son temps va venir pour moi. Et je le craignais beaucoup, je craignais Dieu beaucoup. Mais tu craignais Dieu, mais quand tu essayais toi-même, par toi-même, d'obéir à ses commandements, tu n'arrivais pas, tu tombais chaque fois. Et ça te faisait du mal. Oui, tu te couchais chaque fois, tu pleurais. Comment se fait-il que Dieu dit tes choses, tu ne parviens pas à faire, voilà, alors que tu ne devrais pas faire cela. Voilà. Mais tu te trouvais en train de faire la même chose. C'était ça. Très bien, continuons. Et l'extérieur aussi. L'extérieur avait beaucoup d'influence sur moi. Les copines et tout. Oh, tu es une petite fille, tu veux tout faire comme une mère. Oui. Oh. Et quand je me suis aussi mariée, la belle famille et tout, j'avais pris ma décision. J'ai pris la décision plusieurs fois. Une fois, j'ai pris ma décision. Que c'est la dernière décision. Et que Seigneur, alors c'est moi-même, je vais faire les efforts, c'est fini. Je prends mon temps et dis que Père, tu te révèles aux gens. On compare à gauche que tu te révèles, on compare à droite. Moi aussi, là, papa, tu ne me parles pas, moi. Ou j'ai que faire que quoi? Quoi, où? C'est la question que moi, je me faisais. Je me confiais beaucoup à ma mère aussi. Je dis que ma maman me dit que t'inquiète. Comme tu essaies d'aimer le Seigneur, vas-y au fur et à mesure. Lui-même, son moment, il va t'aider. Et avec la grâce de Dieu, au fur et à mesure. On me donnait même les pantalons. Hein. Il y a un jour que je porte. Je suis dedans en route comme quelqu'un que. Je ne sais pas. Je comme me sentais tout mal à l'aise. Comme c'était tout comme ça là. Comme le saucisson. Oui. Après, je rentre, j'échange. Je me dis que je vais jeter, mais je ne jette pas. Tu mets quand même là. Je mets quand même de côté. Mes belles soeurs donnent, je mets de côté. C'est là où je dis que Seigneur, aide-moi, non. Aide-moi. Et dernièrement, ça fait quelques jours, j'ai écouté la sanctification de la femme. Subamba, il bat toujours. Oui, on parlait du string et tout. Et je me rappelle, ma copine, ma belle-sœur m'avait des strings, mais je ne portais pas. Mais il fut un jour que j'avais sali mes sous-vêtements. J'ai porté, après j'étais encore malade. J'ai dit que c'est même quelle histoire, ça mieux, je porte mal l'habit, mais ça, ça. Le temps que ça sèche. C'est un peu comme ça. Alors j'ai dit que Seigneur, alors c'est moi maintenant, je me conforme, je vais essayer. Mais Père, je veux que tu te montres à moi. Je ne veux pas moi marcher à tâtons. Je lui avais dit, je veux la direction parce que ma vie n'a pas de sens. Je veux un sens à ma vie, je veux une direction. J'ai pris un temps un jour. Je disais que Seigneur, je suis même allée à l'école, on ne m'a pas c'est quoi, rester à la maison. Il n'y a même pas les moyens. Je vais aller, on ne m'a pas c'est comment. Et j'ai prié, j'ai dit que Seigneur, montre-moi la direction. J'avais pris un temps, un mois, et trois jours. Le Seigneur m'a dit, ok, coupe. Le premier jour, il m'a envoyé dans Ésaïe, c'est 50. C'est verset 4, là où il dit, ne crains rien. Je dis, tu ne seras point confondu. Le verset là, net, car là-bas. J'ai pleuré dans ma chambre le jour-là. Je dis que c'est chaque jour je me questionne. Tu dis, ne crains rien. Je fais alors comment? Un jour, je lavais les assiettes sur la cuisinière.
Tu comprends, Maïe, je t'ai dit, ne crains rien. Je me tourne, je vois personne. Je dis que, hé Dieu, que j'ai compris aujourd'hui. Après quelques temps encore, je me questionne. Que c'est vrai, vrai, toi qui m'avais dit, dis-moi encore la même chose. Un jour, alors, les enfants étaient à l'école. J'ai pris mon temps de jeu. Parce que j'avais dit, je prie les 12 heures. Toutes les 12 heures, il faut que je prie. C'est vrai, c'est pas facile, mais il y a les jours. J'ai dit, Seigneur, réveille-toi à moi. Papa, réveille-toi à moi. Réveille-toi à moi. Réveille-toi à moi. La nuit, là, le Seigneur m'a révélé un songe que je ne comprenais pas. C'est hier que j'ai compris. Je me suis trouvée en train de tresser une fille. Il y avait une petite fille que ses parents avaient coulé. La dame, ils n'avaient pas fermé le balcon. L'enfant veut tomber. Je dis, vous ne voyez pas l'enfant là qui veut tomber, mais l'enfant est tombé. Je laisse alors les tresses, je pars, je cours. Je dis, Seigneur, Seigneur, je prie pour l'enfant. Je dis que Père, tu es le Dieu qui guérit. J'ai commencé à prier, j'ai invoqué, Seigneur Jésus. Frère, un feu est sorti, je ne sais d'où. Embraser tous les lieux, les gens fuyaient. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui craignaient Dieu se sont prosternés. Moi, je me suis prosternée. Les gens fuyaient, tourner, embraser. Après, la nuée de feu est partie. Je me suis tournée, j'ai vu la petite fille là, elle était guérie. Et les autres gens fuyaient. Une maman là me fuit. Après, moi, elle dit que je vais me fuir. Quoi. C'est mon ami, c'est mon époux. Moi, je reste moi là. Après, une fois, j'ai vu un autre son où j'étais dans une salle. Il y avait deux enfants couchés. Il y avait aussi deux en blanc. C'est comme si on voulait transmettre. Je sais pas, c'était déjà un rituel. J'étais assise avec mes enfants. Mon père vient tôt. Il ouvre la porte. Mais tu fais quoi ici? Porte les enfants là, on part. Même dans la songe, les dictateurs. Oui. Porte les enfants là, on part. J'ai dit que papa, je ne connais même pas ce que j'ai fait pour me trouver ici. C'est comme ça que hier, alors, je soupirais. J'étais même à ma bafoue, ça m'a dit que père. Si c'est l'erreur de jeunesse que j'ai eu avant l'enfant dans ma jeunesse, si c'est quoi, oh papa, pardonne-moi. Si j'ai même fait quoi que je ne suis pas consciente, oh, pardonne-moi. Si c'est l'incrédulité, oh, pardonne. C'est comme ça que j'étais en train d'adorer. C'était hier soir. C'est là, alors, hier, j'adorais. Le Seigneur m'a montré tous ces songes-là. Et le songe en particulier où il y avait les deux enfants, je sentais qu'il me demandait d'envoyer le tonnerre pour briser l'autel-là. Je priais, je disais le tonnerre. Et après, le songe est passé. Il me montrait là où il s'est révélé à moi comme le feu. Il me montrait tous ces songes. Ça, c'est toujours hier comme ça, là. Hier, oui. Ça passait devant mes yeux comme l'écran. L'écran. Il me montrait tout. En dedans, tous les autres priaient, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, entre temps, on criait. Il me montrait même un songe où ma fille, j'ai vu ma fille, un serpent courait gros droit devant ma fille. Ma mère sortit arrêter l'enfant. J'ai dit, parce que quand le serpent sortait, je criais, Seigneur, sauvez Yaya, c'est ma fille là. J'ai dit que sauvez Yaya, le serpent là va avaler l'enfant là. Ma mère est sortie, je ne sais d'où dans le songe, arrêter l'enfant. C'est là où il me montrait comment partout où je crois qu'il n'est pas avec moi. Il me montre comment il a toujours été là. Et comment il s'est révélé à moi. Il me montre où je me trouvais en train de guérir les fous dans mes songes. Moi, c'est ça que j'ai appris. J'ai commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'entends une voix dire que toutes ces choses-là, tu pars, tu jettes. Tu es une fille du royaume. Qu'on va te voir, qu'on sache que tu n'appartiens pas de ce monde. Et tu es cet instrument que je vais utiliser. Mon cœur est libre, les questions que je me posais, je ne me pose plus de questions. Quand son esprit est venu sur toi, comment tu te sentais, comment c'est faire entrer dans son cœur? Parce que c'est entré dans ton ventre, bouh! Oui, ça a pris même mes pieds d'abord, mon pied-ci. Oui. J'ai dit que peut-être c'est les crampes. Après, je me suis un peu arrangée. Que maîtrisons-nous un peu. Après, j'ai continué. Et à un moment, je ne sais pas ce que je disais, c'est ma gloire à toi, alléluia, hosanna, alléluia, hosanna. Ça montait, mes mains. Ça a pris maintenant dans mon cœur, quand ça bouleversé. J'ai dit que c'est encore. C'était fort jusqu'à j'arrivais plus à contrôler mon corps. C'est là où maintenant j'étais seulement. Des fleuves d'eau vive vous coloreront de ton sein, comme dit les Écritures. Alléluia. 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 Juste Alléluia, pas vrai? Juste Alléluia. Et le Saint-Esprit dit ici hier que. Il va délivrer même les gens de la famille. Vous voyez comment les serpents de la famille, ainsi de suite. Il y a parents de la famille. Viens, ma soeur. Viens alors. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel Dieu merveilleux nous avons à servir. Amen. Viens. C'est le carreau du témoignage ici. Tu regardes d'abord ceci, d'accord? Salut le peuple. Mbolo. Je suis la sœur Maman Flo. Hey, la sœur Maman Flo. La sainte parfaite Maman Flo extraterrestre.
Je ne sais pas où commencer, je suis affaiblie. Elle est affaiblie. Elle est affaiblie. Elle est affaiblie. C'est une femme âgée. Depuis hier, je n'arrive pas à me tenir sur mes pieds. En tout cas, on peut lâcher ce soir. Non. On peut se tenir sur ses pieds quand même. Quand je rendais un témoignage hier matin, j'ai dit que garder l'autre pour. Aujourd'hui là. Pour le soir. Pour le soir d'hier, là, que le Seigneur nous a pas dominé. Je vais un peu revenir en arrière, mais je vais être bref. Lorsqu'on était à l'OPOM, je crois que c'était en 2013. Pour la petite histoire, elle a été avec nous depuis le début. Donc, quand le ministère a commencé, elle est justement entrée. Ils sont deux ou trois comme ça. Et celle-là. Donc, c'est une ancienne. En 2013. Partout où on a été, elle était toujours là. En 2013, on priait à la maison en journée. Oui. Il y avait la sœur Aline, la grande sœur de Fallon. Elle est là. Non, la sœur de Fallon, on priait à la maison. Oui. Il y avait Maëna à l'époque. Il y avait Aline, oui. Madame Eboko. Il y avait encore tant d'autres, j'ai oublié. Alors, on priait à la maison souvent, en journée. Un matin, un soir, j'ai eu une vision. J'étais au Carrefour Bonabassem. J'ai vu le ciel s'ouvrir vers le port, vers le chantier naval. J'ai l'habitude de voir les images sur le ciel et les écritures. Mais je n'ai jamais eu la grâce de lire. D'interpréter, ça s'efface. Alors j'ai vu le ciel s'ouvrir vers le port, vers le chantier naval en bas là. Mes yeux ont traversé, personne ne voyait. J'ai commencé à montrer aux gens, j'ai commencé, personne ne voyait. Alors on a commencé à marcher vers le carrefour, l'axe Lubunateki. On a commencé à marcher. Alors, le ciel s'est encore ouvert sur nos têtes. Je criais, personne ne voyait. Alors, il y a une croix qui a commencé à descendre comme un jouet. De loin, les gens couraient. Après, moi, j'ai sauté plus fort que eux, tous y attrapé. Les gens ont commencé à dénigrer. Ils ont dit, donc, c'est même en plastique. C'est même en plastique, c'est la pacotille. Alors, moi, il leur a dit que quand ça vient de mon Dieu, même si c'est un grain de sable, moi je trouve que c'est plus grand que tout. Amen. Pendant qu'elle disait comme ça, elle commençait à chanter en route. Avec quelques trois ou deux personnes, on chantait, on priait en route. Le cantique c'était que servons le Seigneur, louons le Seigneur en pleine rue, en pleine rue, en pleine rue. J'ai enregistré ça. Les gens ont commencé à se moquer de nous au bar. Ils ont commencé à leur dire que si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Si vous n'abandonnez pas le bar, c'est passé. Alors il y a trois jours, quatre. J'ai vu quelque chose comme ça. Je me suis retrouvée en route, en train de chanter comme il faut. Oui, il y a quelques jours, je me prosternais en route, je marchais. Les gens riaient, d'autres étaient étonnés. Je marchais, bon, ça s'est passé, j'ai seulement confirmé ce qui s'était passé en 2013. Maintenant, hier, moi j'étais là. C'était toi seulement là. J'étais là. Mais depuis le début du programme, moi, il disait que Seigneur, c'est comment même. C'est comment, tu connais tout, mais c'est comment, pourquoi tu me passes. Alors hier, ce que j'ai vu hier, je ne sais même pas comment décrire. Quand on a commencé à crier, après subitement, j'ai senti un tourbillon sur moi qui a commencé à me tourner. Je suis tombée, je me suis remise. Tu t'es maîtrisée un peu. J'ai mis... Mais tu as bloqué comme ça là que oui. Après, je me suis relevée. Cette fois-là, c'est que je ne pouvais plus. Le tourbillon était plus fort. Je suis tombée. Tout mon corps s'est affaibli. Je ne pouvais même pas lever le doigt. Après un temps, mes membres ont commencé à s'agiter seuls. J'essayais de les... En temps, ta pensée, elle a dit que soeur, maman, grand Flo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? C'est pas possible. Tout moi, je n'arrivais pas à maîtriser même le doigt. Ça se levait seul, ça se levait seul. Et ça faisait tout ce que ça faisait là. De temps en temps, il voulait me lever. Parce que la force voulait m'amener pour aller même saccager toute la maison. Après, il voulait me lever de moi, je tombais encore. J'ai continué à détruire. Tu détruisais quoi? Je ne sais pas. Moi, c'est ma faute. Tu fais quoi? Que les tailles en pièces. Les tailles en pièces. Un frère avait été au silence, il a dit que tu t'aimes quoi. Donc, je ne me maîtrisais pas. J'ai seulement dit que le Seigneur est à l'œuvre, tout ce qu'il a fait. Bon, je suis allée à la maison, je n'arrivais même pas à bien marcher. Jusqu'à présent, je suis faible. La nuit, j'ai eu tellement de choses, j'ai encore oublié. La seule chose qui est retenue, c'est que on donnait les diplômes. On donnait les diplômes. Moi, j'ouvrais les enveloppes des autres, ceux qui ont échoué.
je froissais et jetais, je donnais. On me dit, mais toi, va attendre ta place, non? Pourquoi tu viens t'occuper des autres? Je dis que mon temps, les M ne sont pas encore arrivés. Maman Flo n'est pas encore arrivée. Quand mon temps est arrivé, je suis allée, j'ai ouvert mon enveloppe. La femme qui... Non, c'est elle qui a ouvert, elle regardait. Qui ça? Elle m'a regardé. La dame qui... Comme qui... le jury, quelque oui. chose comme ça. J'étais alignée, j'étais... Elle a ouvert, m'a regardé, m'a... elle me montre 19 sur 20. Et c'était même une épreuve en anglais. J'étais très contente. Je suis le meilleur du Seigneur. Quel que soit ce que ça signifie, moi, je sais que c'est un bon signe. Alléluia! Que soit que bénisse. Délivré par la famille, délivré de la famille, délivré de la famille. Qu'est-ce que viens, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Magnifique Jésus. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé ici hier. Je viens ici et dis, ok Seigneur, tu as dit qu'il faut qu'on détruise les familles. Dans mon esprit, on a fini de lire. Moi-même, je savais qu'on devait prier, maintenant commencer à lier et délier comme on a vu dans la Bible. J'entends seulement ça. J'ai voulu deviner un peu comment le Saint-Esprit arrête ma bouche. Je dis, alléluia, alléluia, comme crie. Il dit que la délivrance, c'est lui qui opère. C'est au travers des alléluia. Amen. Remarquez ça, c'est magnifique seulement. Loué soit le Seigneur, je suis délivré de mes ennemis. Amen. Vous remarquez, quand un verset biblique revient vivant, pas que tu réussis le verset biblique, tu fais, et le verset biblique fait ce qu'il est en train de dire. Amen. Viens là, ma soeur, c'est le tableau de quoi? Le carreau de témoignage. Shalom, à vous, bien-aimé. Je rends grâce au Seigneur. Ce qu'il a commencé à faire dans ma vie depuis, avant même les 21 jours de jeûne. Pendant les 21 jours de jeûne, il y a une semaine de désirer sa présence. Et nous avons encore commencé cette semaine. Elle peut parler fort. Et hier donc, je vais commencer par hier. Hier, quand nous étions en train, non pas hier, avant-hier, quand on était en train de prier. Avant-hier, c'est le deuxième jour. Oui. Le frère est venu, il a soufflé sur moi. Je continuais à chanter. Pour un moment, j'ai commencé à... Comme s'il y avait des choses sur mon visage, dans mes yeux. Et j'étais en train de nettoyer mon visage. Je nettoyais. Et après, j'ai commencé à taper ma tête. J'ai tapé ma tête pendant l'autre. Donc, toute la soirée, là, j'ai tapé ma tête. Tu as tapé quoi sur ta tête, ma soeur? Je ne sais pas au juste ce qu'il y avait. Personne ne sait jamais rien de ce qui se passe. Mais... Et j'étais en train d'enlever les choses sur mon visage. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était sur mon visage. Comme un masque. Je continuais jusqu'à la soirée finie et ça continuait toujours. Donc j'ai continué à faire ça juste à un moment. Mais dans ta pensée, quand tu faisais ça, tu pensais quoi? C'est étant dehors, quand j'ai continué à faire ça, que j'ai compris que la toile, il y avait une toile d'araignée sur mon visage. Exactement, mais pas visible. Oui. Très bien. Il y avait une toile d'araignée et c'est ça que j'enlevais. Bon, après, c'est parti. Bon, hier, soit ici. Je n'étais pas au début quand on a commencé. J'étais encore un peu occupée. Bon, j'ai su que j'étais connectée par l'esprit parce que cet esprit m'a saisi. Tu étais où? J'étais à la cuisine, je faisais les cuisines. Donc quand tu faisais, tu entendais Alléluia ici? Oui. Tu faisais aussi Alléluia là-bas? Ça t'a pris là-bas? Non, j'ai commencé, je priais par l'esprit en faisant ce que je faisais. Après, je suis entrée ici. Je suis arrivée ici où tu donnais le verset de Ésaïe. Et qui parlait de vengeance. Et c'est comme ça. Après ça, on a commencé à prier. Quand on priait, je baissais les bras. Je me sentais pas à l'aise. Quand je soulevais les mains, je me sentais à l'aise. Et il y avait un écho, comme l'écho, qui faisait comme ça, comme le tourbillon dans mes oreilles. Ça venait de... Donc quand je baissais, je ne ressentais pas cela. Quand je soulevais les mains et que je criais, je continuais à crier. Parce que moi aussi, ça m'a entré aussi commencé à crier. Crier, ça va passer. Et aussi commencé à crier. À un moment, le frère Sultan était juste à côté de moi. Je me suis dit que peut-être l'écho là venait de lui. Alors que Sultan fait déjà les échos. Après, j'ai continué. À un moment, j'ai encore ressenti comme le vent. Enfin, je regarde et c'est Christ Victoire qui m'envoie le vent.
Je pensais que non, ça ne vient pas de lui. Il n'était même pas, il ne te gérait même pas. Oui, il ne me gérait même pas. Mm. J'ai continué à crier, à crier, à crier. Après, j'ai entendu seulement fou sur moi. Que tu as soufflé sur moi. Mm. Je suis tombée. Mm. J'ai commencé à ramper ici au sol. Ramper, ramper. Je faisais ramper. Je me torturais d'abord comme le serpent. Mm. Je me torturais. À un moment, j'ai commencé à faire au sol comme si je nageais. Mm. Je nageais, je nageais, je nageais. Je continuais toujours. Après, j'étais en train de rougir au sol. Mm. Donc, faire comme un animal, mm. comme le lion au sol. J'étais en train de rougir, rougir, rougir à l'intérieur. Donc, ce qui se passait à l'intérieur, j'étais en train de rougir, rougir. À un moment, j'ai commencé, dans mon esprit, je reçois des paroles. Et les paroles ont commencé à sortir dans ma bouche. Où sont donc je fais comme j'avais les, je faisais au sol comme des griffes. Mmh. Je cherchais mes ennemis, je cherchais encore mes ennemis parce que je les avais déjà mangés. Hey. Hey. À présent pour le Seigneur. Elle a mangé l'ennemi, les ennemis. Elle a mangé les ennemis. Au point de chercher encore l'autre. Et vous y a encore l'autre. Je cherchais encore. Et puis, après, ce sont les paroles qui ont commencé à sortir dans ma bouche. Où sont ceux qui ont détruit ma vie là? Ils sont où? Mm-hmm. Ils sont où? Je veux les manger. Je veux les manger. Ils sont où? Je faisais comme parler comme ça au sol. En les cherchant, en les cherchant. Ça veut dire que je les avais à manger. Et je cherchais encore là. Le reste. Donc ceux qui ont mangé ta vie là, tu veux les manger. Je voulais finir avec eux. Oui. Et je faisais qu'ils les cherchaient. Dans ta tête, normale, tu ne disais pas que résien. Qu'est-ce que toi-même tu fais comme ça? Tu disais que toi-même, tu n'es pas normal, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mm-hmm. Et ça m'a rappelé, comme tu as parlé ici des extraterrestres. Mm, donc, écoute, donc, tu es vraiment une vraie extraterrestre, n'est-ce pas? Ah, ah. Moi, je voulais seulement manger. Parce que ils m'ont fait manger des nourritures dans les songes. Ils mm-hmm. voulaient aussi en finir. Ils voulaient manger eux-mêmes. Et quand tu as cherché, tu as trouvé? Quand j'ai cherché, j'ai trouvé, continué à manger jusqu'à ce que j'ai su que j'avais à finir. J'ai su que j'ai fini. Et j'ai continué là au sol, j'ai continué au sol après. Mm. Je me suis levée pour aller m'asseoir là-bas parce que tout mon corps me faisait mal. Mm. J'étais très fatiguée. Mm. J'étais vraiment très fatiguée. Donc je voulais vraiment rendre gloire à Dieu que tu as mangé tous tes ennemis. La parole que j'ai aussi reçue à l'esprit, c'est me disait que il m'a donné la victoire face à mes ennemis. Amen. Il m'a donné la victoire face à mes ennemis. Mm. Il m'a délivré des liens de ma famille. Mm. Il m'a délivré. Donc c'est ce que j'ai reçu hier. Alléluia. Vous voyez, donc le Saint-Esprit dit hier qu'il y a des gens qui continuent avec les liens dans la famille. Il faut qu'ils délivrent. Et il dit que le moyen par lequel il va le faire, c'est au travers des... Alléluia. Encore. Alléluia. Encore. Alléluia. Encore. Alléluia. C'est ça. Vous voyez cela? Donc c'est ça. Je m'écris, loué soit le Seigneur et je suis... Délivré. C'est ça. Viens mon frère, la Côte d'Ivoire. Applaudissons pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir. Je suis... Pourquoi tu es venu au Cameroun? Quelle est cette attraction au Cameroun? Alors, pour répondre, je suis venu au Cameroun parce qu'il était nécessaire d'être connecté directement à la source. Amen. Amen. Et donc moi, je suis le frère Eden de la Côte d'Ivoire. Amen. Avant de relater mon témoignage d'hier, je vais expliquer une situation qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Mmh. Une fois en assemblée, un frère avait posé une question et le conducteur a demandé bon, qui peut répondre à la question. Et donc moi je me suis levé, j'ai répondu. Et après quand j'ai fini de répondre, subitement je me suis dit, je lui ai dit, est-ce que vous savez que quand ce qui s'est passé dans la chambre haute là, les mouvements qu'ils faisaient, c'est... Si tu le voyais, tu as pensé qu'ils sont saoulés. C'est vrai, Yves, c'est apparenté à l'alcool. Mmh. Bon, quand j'ai dit ça, moi, j'ai fini de dire ça. Mmh. Les frères, quand j'ai regardé leur visage, ils ne semblaient pas comprendre. Mais toi, tu dis ça pourquoi?
Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit ça parce que quand je lis, c'est comme ça, je vois, c'est, j'ai dit ça comme ça. Mm-hmm. Ça n'avait rien à voir avec ce jour-là. Avec la question qu'ils ont posée. Ça n'avait rien à voir. Mm-hmm. Donc, tu l'as préparé psychologiquement à saouler. Mm-hmm. Et donc, quand les enseignements 21 jours de guerre, oui. 21 jours de guerre et 7 jours de présence ont commencé à sortir, il y a un frère qui vient me voir parce qu'on est dans le même travail. Mm-hmm. Il vient me voir mon bureau, il me dit, ah, attends, ce que tu avais dit la dernière fois, c'était vrai? Je dis quoi? Que non, par rapport à l'esprit, ils sont saoulés. Je dis, ah bon. Dans mon moment, je réécoute les enseignements, je vois que, ah oui, c'est vrai. Et quand il part, je suis attristé. Mm-hmm. Je me dis, mais attends, tu dis une chose, c'est vrai, mais tu n'as jamais vécu ça. Expérimenté. Tu dis, c'est vrai, ouais, mais tu n'as jamais toi-même expérimenté ça. Mm-hmm. Et j'ai dit au Seigneur que, moi, je ne suis pas très fort dans la lettre. Mm-hmm. Moi, je vais vivre. Oui. Je vais vivre le témoignage. Mm-hmm. Et donc, hier, je suis ici. Quand je rentre, on a commencé à prier. J'ai dit une chose au Seigneur. Seigneur, ton serviteur a dit, dès qu'on rentre ici, on est connecté à toi. Donc, moi, je vais être connecté à toi. Oui. Applaudissons pour le Seigneur. La Côte d'Ivoire. Et donc, on prie, on dit alléluia, on prie. Seulement alléluia. Seulement alléluia. Même ça, mais déjà, la lutte avait commencé. Parce que j'entends, j'ai dit alléluia, tout le monde dit alléluia. Et je vois les manifestations. Mm. Dans mon esprit, j'ai dit, mais attends, un simple alléluia, ça va faire tout ça là. Après, je me dis, non, mais reste concentré. Alléluia. Donc, je fais cette bataille. À chaque fois que ça me décale, je reviens. Exact. Applaudissons pour le Seigneur. J'étais derrière là, arrivé un moment. Il y a quelqu'un qui met sa main sur moi. Mmh. Je me dis, ça, c'est la paume d'un homme. Mmh. Après, je sens un souffle qui vient par là. Mmh. Je me dis encore, ça, c'est le souffle d'un homme. Mmh. Mais là où je commence à chercher, à comprendre, parce que dans tout ça, je garde les yeux fermés pour ne pas être distrait. Très bien. Le souffle, il devient de plus en plus fort, mais ça commence à prendre d'ici à ici. Mmh. Et dans tout ça, dans mon esprit, quand je ne veux pas ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, je cherche à comprendre dans mon esprit. Je dis, mais ce qui me souffre, ce n'est pas le climat d'ici. Puisque le matin, avec un frère, il m'avait demandé c'est quoi le climat d'habitants. J'ai dit, apparemment, on a le même climat. C'est... Donc, je sais que ce qui me souffre, ce n'est pas le climat d'ici. Et en plus, le souffle d'un homme, ça ne peut pas me prendre d'ici jusqu'à la tête. Donc, je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je pose la question, mais... ce vent là, c'est un vent glacial. C'est glacé mais ça donne pas froid. J'ai dit mais ça vient d'où? Et dès l'instant j'ai posé la question, c'était comme si j'ai parcouru tous les climats de la terre. Je me suis retrouvé en Sibérie. Étant là-bas, étant je me suis retrouvé en Sibérie. Et c'est ce vent qui me soufflait là, ça a le même climat que la Sibérie. Oui. J'ai dit mais donc, ce n'est pas. Vous voyez les extraterrestres au milieu de vous, non? Donc, c'est un extraterrestre de la Côte d'Ivoire. Il a voyagé, il est arrivé ici, il a parcouru toute la terre. Il part en Sibérie, puis il revient ici. Extraterrestre. Mais donc, ce n'est pas un homme, c'est le Seigneur Jésus. Dès que j'ai dit c'est le Seigneur Jésus-Christ, je me suis retrouvé au sol, forcé en train de dire merci. Merci, Père, merci, Père. Maintenant, je vais dire merci de par ma bouche, mais quand je vais ouvrir la bouche, c'est mes mains qui balancent. Merci, Seigneur. C'est mes mains qui balancent. Mais à l'intérieur, ça dit merci. Ça dit merci. À l'intérieur. Ça dit merci. Et le souffle devient de plus en plus fort. Là, je me dis, cherche à t'accrocher. Ouais, c'est comme si ça veut m'emporter. Moi, dans mon être, je cherche à m'accrocher. Et donc là, je tombe. Quand je tombe, je suis épuisé, fatigué. Fatigué. Et donc, j'essaie de me relever. Quand j'essaie de me relever, je ne sais pas, il y a quel frère qui était derrière moi, heureusement qu'il était là. Je commence à partir à l'arrière, pour tomber. Et donc là, il m'a soutenu. Et il a dit, bon, j'ai déjà l'expérience de la colle en réalité. Oui. Donc, tu es dans le monde, tu as eu à goûter. Oui. Tu sais ce que ça fait. Très bien. Et même, le degré même dans lequel j'étais là, c'est le degré où, quand tu te lèves, tu vas seulement en arrière. Et donc, quand la première fois j'ai essayé de me lever, et j'ai pas pu. La deuxième fois j'ai essayé, j'ai dit, si tu poses, oui. Tu es au sol. Oui. Donc il a dit, ah, ça je vais me coucher. Mais tu te couches là-bas. Je me suis couché, quand je me suis couché,
j'ai retrouvé un peu de force. Je vais me lever. C'est comme s'ils ont coupé mes pieds. Je n'ai pas de pied, je ne peux pas prendre appui sur quelque chose. Et donc là, j'ai posé mes mains au sol pour appuyer. Jusqu'à ce que je retrouve un peu de force. De force. Pour me lever. Ce matin, je réécoute les enseignements et je m'aperçois que j'étais en train de dire Alléluia, Alléluia. Mais hier, moi, je n'entendais pas tout ça. Moi, j'étais appuyez ça pour le Seigneur. Alléluia! Je me dis, mais à quel moment j'étais en train de dire Alléluia? Pourtant, moi, j'ai cherché à comprendre, j'ai tout pas ce qui se passe. Tu ne te souviens pas quand tu as prononcé Alléluia? Et là, j'ai dit merci. Amen. C'est vrai que en venant, je savais, j'avais la certitude que je n'allais pas rentrer pareil, mais je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Très bien. Très que. Oui. Parce qu'en fait, il faut rappeler que tu es venu avant-hier. Avant-hier, juste. Et c'était dimanche, tu es venu dimanche. Je suis venu dimanche, c'est ça. Et tu es venu dimanche pendant qu'on allait dans l'enseignement, tu es directement entré ici. Ah, si. Et le lendemain, c'était le soir même. C'était le soir. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est lundi aujourd'hui, mardi. Mardi. Lundi, c'est lundi. C'est lundi. Nous sommes lundi aujourd'hui. C'est lundi finalement, c'est mardi. Nous sommes lundi aujourd'hui. Donc c'est hier que tu quittes d'habitude, que tu arrives au Cameroun. C'est ça. C'est hier, la soirée, Dieu te donne ça. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Voilà en gros le frère et soeur, l'expérience que j'ai vécue. Et là, je suis en même de dire, quand quelqu'un dit un extraterrestre, je suis en même de comprendre parce que je sais de quoi il parle. Il parle. J'ai vécu la chose. Alors, et je sais que c'est le commencement. Amen. Attends, attends. Donc maintenant, si tu lis Actes Apôtres chapitre 2. Si tu écoutes les enseignements, tu entends que les gens ont saoulé. Tu sais de quoi maintenant ils parlent. Tu sais de quoi on parle. On parle. Tu sais de quoi on parle. Très bien. Donc tu peux quand même expliquer maintenant sur la Côte d'Ivoire. Amen. Non, de quoi il est question. Amen. Quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu es encore là. C'est mieux qu'on dise ça quand tu vas rentrer, d'accord? Amen. La Côte d'Ivoire reçoit la visitation. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On attend que Papa Sou vienne. Papa Sou va nous dire où il était encore. Qui vient là? Viens. Quand il vient, il dit que maman n'est pas là. C'est parce qu'il partait là-bas, il devait me caler. Quand maman vient, lui, il n'est pas là. Il vient nous faire les choses. Bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ne permettez pas que quelque chose vous chippe ce que le Seigneur a de faire dans vos vies. Amen. Satan créera les choses tout autour de vous, les circonstances extérieures de vos sens, pour vous pousser à vous énerver et entrer dans la colère. Amen. Et cette colère, si le Saint-Esprit n'aime pas cela, restez focalisé sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allons-y. Bonsoir, les extraterrestres. Toi, tu étais hier soir ici, dans la salle ici. Je ne me souviens pas t'avoir vu ici. C'est elle qu'on a porté un dernier pression. C'est qui pour moi? C'est qui bizarre. Ok, ok. Viens. Venez entrer. Il y a la place là-bas, je crois. Il y a la place là-bas. Bon, ça, allons-y. Laissez la femme entrer. Sois concentré. Allons-y. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait davantage dans ma vie. Avant de témoigner pour ce qui s'est passé hier soir, quand maman Flo a parlé de la note, ça m'a rappelé un songe que j'ai eu samedi après l'enseignement. Après l'enseignement qu'on a fait. Parle un peu fort. Vas-y. C'est comment? J'étais dans la chambre de maman Lésienne. Nous étions trois sur le lit. On dormait. Et c'est comme si je me suis retrouvée dans le songe à la même position. Et je comprenais l'élu. Elle était au couloir. Elle est où l'élu là-même? L'élu a la langue. Elle a la langue là-bas. Elle était au couloir en train de revendiquer les notes. Oui. Elle revendiquait la note. Elle dit que non, la note, ce n'est pas 15. Oui. C'est 18. Quand elle revendiquait, Et après, elle dit que est-ce que ce n'est pas la voix de l'élu là-bas? Quand je me tourne sur le lit, je vois que sa place est vide. Je comprends donc que c'était elle a revendiqué parce qu'on a donné la note de 18. Oui. Amen. Quand on a donné la note de 18 maintenant, le songe, je sors du songe, je reviens maintenant dans la réalité. Je comprends au sol. Quelqu'un qui fait chou 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 chou. Il était 3 heures. Mais ça faisait chou 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 chou. C'est quelqu'un me tourne et voit que
C'est elle. Donc elle est vraie, vraie. Physiquement, elle était là. Chou. C'est pas 18, c'est 18. En train, ouais. En train de prier. Oui. Quand je vois donc maintenant, c'est là où je reçois que voilà d'où sort la note. Mm. Donc il faut qu'on se réveille tôt pour prier, pour avoir la note. Maintenant, pour ce qui s'est passé hier, On a dit là-bas que tu criais bizarre. Moi je n'étais pas vu ici hier devant ça, la soirée. On criait seulement, tout le monde était mouillé ici. La seule personne qui n'était pas mouillée, c'est la personne qui voulait voir ceux qui sont mouillés. Vous savez, attendez, c'est normal quand on a été toujours religieux et qu'on entre dans le milieu comme ça. Il y a la maman là, Maman, lève-toi un peu, moi. Applaudissons pour la maman là. Même si vous sortez n'importe quel décret, que fermez vos yeux, ses yeux ne peuvent pas se fermer. même si vous dites que fermez les yeux n'importe comment, elle dit fermez que j'ai les yeux. Quand elle est là, vous savez, on est dans la fond, on dit Alléluia, elle attaque, boum, ici là. Elle n'est pas ici. Elle fait comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je viens vers elle. Je fais n'importe comment pour l'aider, pour qu'elle entre dans l'esprit, jamais. Il va falloir que c'est le Saint-Esprit qui ferme ses yeux. Amen. Ouais. Donc elle est là-bas. Et vous ne pouvez pas le reprocher ça parce qu'elle est étrangère à ce genre de vie. Amen. Elle entre chaque fois, chaque étape qu'elle vient ici, c'est toujours bizarre. Le jour que ça va la prendre, qu'elle vient comme ça, le jour que ça va la prendre, on ne doit pas le dire. Amen. Vous allez entendre les patois ici avec les langues bizarres. Amen. C'est pour cela, en Christ, Il y a tout genre de qualité. Et vous allez savoir régérer tout cela. Elle est là, quand elle me voit comme ça, que je pleure. Dès qu'elle me tourne comme ça, elle dit que quoi. Mais chaque fois à la maison, je prie pour elle. Je prie pour elle, je prie parce que je sais qu'elle a un fardeau sur le cœur. Je prie que Dieu accorde la grâce pour qu'elle soit satisfaite. Mais le plus grand, ce n'est pas ce fardeau-là, c'est qu'elle puisse s'attacher au Seigneur comme il se doit, d'accord? Amen. Donc, vous voulez vous montrer un cas. Elle est là, elle n'a même pas la sueur sur elle. Donc, elle est comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle rentre à la maison, le commentaire de ça dans son esprit. Que Dieu te dise, salut, que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. Ça va aller, d'accord? C'est vrai. Parce que quand j'entre, je vois les choses que je n'ai jamais vues. Le miracle ici. Donc, parce que c'est, il est même venu de là-bas de Chile pour venir. Fais la prière, mets-toi en prière. Oui, mais c'est tu. Ce qu'il dit, c'est vrai. Donc, quand j'arrive, je fais ma prière à mon niveau. Oui. Mais quand je prends, que les gens tombent. Je rentre encore sur ma place. Je vois encore pas que les gens sont baissés. J'ai le manque. Donc, pour moi, c'est une chose que j'ai vraiment voulu me lever dans cette salle. Plus tard. Alléluia. Que Dieu te bénisse, d'accord maman? Que Dieu te bénisse. Je reconnais que ce n'est pas de ta faute. Sa faute à nos pasteurs d'avant qui ont fait grandir les gens dans la religion. C'est pour ça que quand tu vois ces choses-ci, ça te surprend, d'accord? Mais Dieu est sur le point. Chaque fois quand tu viens, tu vois. Tu sais que quand tu rentres, tu dors, il y a beaucoup de questionnements dans ta tête. Dieu va te visiter. Amen. Oui. Donc, quand il y a le dégagement, même quand il prie, il fait un peu quoi, sachez que je détecte chacun de vous qui est là. Il y a d'autres personnes qui prient. Attendez, j'arrive. Hein. Il y a d'autres personnes qui prient. Quand on dit Alléluia, dans son cœur, dit Alléluia, touche-moi. Même si tu lui dis que le Seigneur est là, dis-lui merci. Merci quoi? Je n'ai pas encore bu. Donc, dans son cœur, c'est que. Et tu entends dans son cœur, frère, il va falloir qu'il me touche. Or, la meilleure personne à toucher, c'est le Seigneur. Maintenant, tu viens et puis le Saint-Esprit dit qu'il va le toucher. Tu le touches. Tu dis, hey, comme il m'a touché là, est-ce que ses vrais sont touchés? Le deuxième questionnement entre. Il va falloir. Quand ça commence à mener le crâne, tu dis, hey, on peut dire comme ça que c'est le crâne. C'est ce qu'on peut dire comme ça là. C'est le vrai crâne. Non. C'est un hasard. Vous comprenez? Conteneur des doutes. Il va falloir que la personne soit assise à beaucoup de sang. Petit à petit, Dieu déshabille. Un jour, vous entendez un cri comme ça, vous comprenez. Quand ça va prendre la maman si, vous allez voir. Amen. Le jour où ça va la prendre, quand ça va la prendre, dégagez les gens, on dit à toi toute la gloire. Amen.
toi l'honneur, à toi toute la gloire, à toi l'honneur. Je vais vous dire un secret. Quand on finit d'assister comme ça, quand vous êtes là, le soir, je vous amène en haut. Amen. Chaque personne, je vous amène en haut devant le trône. Je présente chacun de vous devant le trône. D'accord? Amen. C'est un secret alors maintenant. Amen. Bon, ce n'est plus un secret parce qu'il a déjà dit. Allons-y. Donc, hier soir, quand dès que le frère entrait, il parlait de qu'on va finir avec les chaînes. De la famille qui dérange là. Yes. Aujourd'hui. Mm. Subitement. Donc, j'ai reçu ça comme. En fait, ça m'a réjoui. Mm. Et j'ai commencé à intercéder. Je disais, Seigneur, ma famille. Seigneur, ma famille. Et en disant, Seigneur, ma famille, dans mon esprit, j'ai localisé et même ma famille qui était là. Mm-hmm. Donc, ma prière était focalisée sur ceux qui étaient là. Ah, ma famille. C'est comme ça qu'on criait, on criait, on criait. Je criais en sautant parce que je sentais la chose monter. Mm-hmm. Sentais la chose, c'est comme ça que j'ai crié. Et quand on a commencé à dire qu'il faut qu'on crie, ma voix est partie. Mm. Ma voix est partie. Je voulais crier ça. Il dit que je vais, sauf que. Crier ça. Si ça ne sort pas. Mm. À un niveau, je suis c'est ma pourquoi là? Le ho là, c'était l'équivalent de l'alléluia. Alléluia. Même Dieu comprenait que c'était ho, c'est alléluia. Mm. Donc j'ai crié comme ça. À un moment, je me suis fatiguée. Mm. Mais comment il fait qu'il ne peut pas te voir dans la salle? Tu étais à quel côté? Je me suis donc calmée et maintenant j'ai commencé à prier à l'intérieur. Mmh. Et je priais par rapport à la famille. C'est comme ça que je sentais la chose monter. Ça montait, ça montait, ça me prenait petit à petit. Subitement, j'ai commencé à sauter. Mmh. Je sautais. Sauter physiquement dans la salle, c'est... Oui. Je sautais, ça a commencé à me balancer. C'est comme ça que j'ai bousculé le pied au point où je me suis retrouvée au sol. Mm-hmm. Dès que je me retrouve au sol, je rougis. Ah, yeah. Je commence donc à détruire, je brisais les chaînes. Oui. Je commence à briser. Et ces chaînes-là, tu les voyais dans ton esprit? En esprit, oui. Je pouvais les voir. Je brise, je brise, je brise, je brise. Après ça, je prends donc personne par personne, donc tous mes frères. Oui. Donc leur nom venait et je brisais tous les liens qui étaient sur eux. Mm. C'est comme ça que j'ai brisé, 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 brisé. Après ça, j'ai regardé encore. Tous ceux qui étaient mariés, j'ai également brisé. Si ça venait, les liens qui venaient du côté du mari, je brisais. Oui. Après, j'ai regardé s'il y avait encore tout brisé. Quelque chose. Mm. Maintenant, je me suis reposée. Mm. Parce qu'en brisant, ça a été en fait dire libérez-les. Mm. Libérez-les. Et pourquoi tu as crié à la fin? On a dit que tu as crié bizarre. Quelqu'un a dit que tu as crié bizarre. C'est quelqu'un qui a dit ça? Elle crie comment? Ah. C'était elle. Donc, quand c'est fini, je me suis levée. Mmh. Et je me sentais déjà. Tu te maîtrisais maintenant? Oui, je me suis levée, je suis partie, je me suis assise. Là-bas, je ne pouvais pas tenir debout. Mmh. Je me suis assise. En clair, quand on crie Alléluia, ta famille entière a été délivrée. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. C'est pas toi qui avais levé la main aujourd'hui? C'est... Et tu ne veux pas venir? Ça va, non? Comme ça, on commune. La suite. C'est la suite de quoi? Après ça, je suis encore. Parti. Et continue nous allons. Donc, quand tu t'es assise, tu as repris tes esprits, tu as encore fait. Oh, tu es encore rentré. Dis-nous. Quand j'étais assise, donc, j'ai encore ressenti la chose venir à moi. Mm-hmm. Et j'ai commencé à gratter le dos sur les chaises là. J'ai gratté et je disais, mais qu'est-ce que je suis en train de gratter sur mon dos? Oui. C'est là où je reçois un esprit que c'est là. La peau du lièvre qui était collée sur mon dos, c'est parce que ça faisait là-bas. Mm. Quand j'ai donc fini de gratter, c'est comme ça que j'ai commencé à m'agiter. Oui. Je me suis retrouvée encore au sol. Toujours tout seul là-bas?
Il y a de quoi, vous-même, il y a de quoi la maman là doit voir, non? Parce qu'elle voit, elle dit que yé. J'ai dit à la maman là qu'au lieu de faire chaque fois comme ça, là, pour, parce qu'on la cache, je suis allé là pour que le parent vienne devant voir une fois. C'est pour ça que je suis allé là-bas derrière, parce que. C'est elle, moi et elle, vous étiez un parti. Oui. Si tout le monde était sorti. Oui. Comme je ne connaissais pas la vie du départ, j'ai dit. On était là, quatre personnes. On était là, c'est pas papa, j'ai dit que j'ai même quand le père de papa. Elle m'a demandé hier que donc même si tout le monde partait, elle va faire ça seule. Tous les membres étaient sortis. Oui. J'ai demandé à moi-même, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit. Oui. Et ça a commencé. Elle était là, papa, au nom de Dieu. J'ai dit, papa. Et tu as dit ça aussi. Tu ne peux pas la tête de mes parents. On arrête souvent, après, elle se fasse pas mal. Oui. Non, vraiment, Dieu fait grâce. Oui. Amen. Dieu fait grâce, c'est pas de ma volonté. Oui. Le matin, oui. Fils malade me dit que, ouais, je n'ai pas touché au cœur, je ne vais pas plus là-bas, je ne vais pas voir les autres, il ne m'a pas touché. Oui. Bon, maintenant, quand Dieu me dit ça. Oui, ça c'est hier matin. Non, oui, avant que je ne revienne maintenant. Oui. Il me dit que non, je n'ai pas touché, je ne vais plus là-bas. Donc, attends, donc son fils dit que non, ça c'est trop. Frère, je ne touche tout le monde à la salle. Voilà. Il ne touche pas, je ne mets plus les pieds là-bas. Qui attends, attends, maman, attends. Qui était ici dimanche matin? Vous avez vu quand je suis entré? Où est-ce que je suis parti? J'ai passé le temps sur lui ici, à le toucher. Sans parler, sans prier, en le touchant. En le touchant, en le touchant. Applaudissez pour le Saint-Esprit. Tous vos murmures, il entend. Vous murmurez, il entend. Et effectivement, c'est exprès que je ne le touchais pas parce que je voulais que c'est lui qui m'envoie vers lui. Donc, quand chaque fois qu'ils viennent, n'importe, même à Yaoundé, ils ont suivi jusqu'à Yaoundé. Là-bas, ils touchaient tout le monde sauf lui. Parce qu'il y a un ordre dans le ciel qu'on le concernant. Amen. Et on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on veut plaire à quelqu'un. Amen. Vous voyez cela? Amen. Donc, il est venu, il était ici, assis ici, à cette deuxième chaise. Quand je suis venu dimanche matin, qui était là? Très bien, vous tous. Et puis, donc, c'est lui seul que je suis en train de toucher. Toucher, toucher. Donc, dis-nous maintenant. Donc, à la maison, il a dit que je ne viens plus chez le prêtre junior là. J'ai dit, ouais, je vais déjà, je vais être dans sa maison. Oui. Je prends le téléphone, je parle à Dieu, pardon. Je le supplie comme on supplie. On dit que c'est moi qui vais chez le marabout. Maintenant, je suis là-bas chez le pardon. Pardon, je vais prendre ton petit frère. Qui vient là-bas? Oui, je ne vais plus chez le marabout. On doit être ensemble. Maintenant, j'appelle Joël. Le malade dit qu'il ne va plus là. On passe, voilà. Il ne me touche pas, je ne vais pas voir les autres. Je vais faire alors comment? J'appelle Bruce pour qu'il fasse du parle comme il parle, qu'il vient. Je ne prends pas le portable. J'ai réfléchi, je parle maintenant. Joël vient de sortir de chez sa maison, il me trouve à la maison. Oui. Il dit qu'il est où, le voilà, il ne va pas partir. Oui. Il dit habille-toi en bas. Habille-toi en bas. Il dit qu'on va encore passer là-bas, il ne doit pas me toucher. Oui, il dit que non, j'ai déjà dit à la mère que je n'ai pas pris. Je dis que si tu ne vas pas, moi, je vais faire comment. Alors, c'est toi qui parle. Pardon, c'est toi qui m'as amené dans cette maison-ci. Vous m'avez fait fuir les malades. Maintenant, avec vous, on va te. Caler là-bas. Maintenant, je vais demander la voiture de voir maintenant. Je vais dire sortez. Je sors maintenant du peu. Il fait la dictature. Je prends la première place. Oui. Pour qu'il suive. Maintenant, il suit. Je ferme la barrière. Oui. Non, il prend la route. C'est mon mandat. Il m'a fait maintenant me cacher. Moi-même, je ne veux pas. J'ai dit à Joël que je ne veux pas qu'on me touche. Le Seigneur peut lui faire toucher mon voisin, il vient me toucher. Oui. Moi, je sais la messe. Oui. On peut seulement toucher le voisin comme ça, il tombe. C'est ça que j'ai joué dans la voiture. Oui. Mais je veux que c'est l'enfant qui me décourage. Sinon, moi, j'ai vu leur manière là. Oui. Dieu peut faire grâce, on touche mon voisin, ça me plaît. Oui. Donc, tu l'as vu la manière là, tu l'as vu ça. Quand on touche bien le voisin, tu viens les enfants qui sont de pleurer, s'il vous plaît. Quand on touche bien de mon voisin, moi, je suis content. Oui. Il me frôle, moi. Tu gagnes un peu. Oui, je gagne aussi, je gagne aussi quelque chose. Je m'en vais là, quand je vais là-bas derrière, lui était assis là-bas. Oui. En même temps, je n'étais pas encore là. Je n'étais pas encore là. Vous n'étiez pas encore là. Oui. Tu dis que je vais voir ça encore aujourd'hui. Vous étiez assis là. Quand vous entrez là, mon frère. Tu es de temps là, oui, quand vous entrez, nous on est déjà là. Entre temps, je vois que je suis pas, tu viens ici. Là, je vois que tu es comme ça. Alléluia. À partir de là,
là, oui. J'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis là. Amen. Dis ça encore, maman, dis ça encore. Même si dans cette maison, si on se tape même, tu es toujours là. Je suis là. Alléluia. Non. C'est la grâce de Dieu. On parle de quelque chose dans la voiture. Après, directement, je viens. Vraiment, c'est wonderful. Mm-hmm. Amen. On fait ça, mais ça me... Amen. Je fais ça déjà de Dieu, mon frère. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bon, maman, maintenant, je vais te dire donc ce que nous étions en train de faire là-bas. Nous avons enlevé son cerveau, on a envoyé au laboratoire en haut. Donc, on a nettoyé son cerveau. D'accord? Alléluia. Suis-moi attentivement. Quand son cerveau va finir, quand ça va revenir, on va remettre dedans, il va rentrer où il était. Le domaine, ce qui lui est arrivé n'est pas du domaine des humains. Et on ne peut pas résoudre ça du domaine des humains, d'accord? Même si vous l'amenez n'importe où, on ne peut pas résoudre. Il faut quelqu'un qui puisse le transporter de cette dimension à autre dimension. Donc le vrai, lui, se trouve là-bas. Quand on va finir, on va le ramener ici. Amen. Ça va... c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, d'accord? Donc c'est pour ça que si vous faites n'importe quoi, il faut que vous soyez conduit par le Saint-Esprit pour faire n'importe quoi. Amen. D'accord? Parce que le Saint-Esprit savait que si aujourd'hui là, si elle est venue le jour, si il ne le touchait pas ce jour-là, c'est que quand il sortait là, c'était la dernière chose. Et donc le diable voulait qu'à un moment donné, il soit fou. Et qu'on commence à te réunir. C'est toi qu'on devait accuser dans la famille que tu as vendu l'enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne se passera pas ainsi. Dis-nous ça. Amen. Donc, sois juste tranquille. Ne prends plus des voix, quelque voix que ce soit. C'est fini. Voilà. Comme tu as parlé dans la voiture et subitement, quelques minutes plus tard, tu es venu, tu as vu, Dieu veut parler, te dire qu'il connaît tes problèmes et il exauce tes prières. Amen. Donc, c'est un moment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que je peux vous demander une doléance maintenant? Amen. Est-ce qu'on peut incliner la tête? On prie que non seulement que Dieu vienne dans la grâce, parce que ce garçon, c'était un serviteur de Dieu en réalité. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Prions pour cette famille-là que non seulement qu'il y ait restauration, que même dans la vie de la maman, c'est qu'il y ait restauration même dans son propre foyer. Prions pour elle. Prions pour elle. Prions, 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 prions. 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 Merci Seigneur pour tes grâces. Merci Père pour tes grâces. Merci Père pour tes grâces. Merci Père pour tes grâces. Merci mon Père. Merci Roi des Rois. De la restauration de la famille. De la restauration de la famille. Alléluia. Magnifique Jésus. Je ne sais pas, le mirage. Alléluia. 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 Amen. Je vous dis. Vous savez, il y a des choses, je vous dis qu'il y a des choses qui vont arriver dans notre milieu-ci. Que si vous n'êtes pas là, avant que vous entendez ce moment où on vous parle, vous allez dire que non, ça c'est la fiction.
Et Dieu a préordonné ces choses-ci pour notre gloire. Amen. D'accord. Ça va, ma soeur, ça va. Va t'asseoir comme on... Que Dieu te bénisse. Appelons pour notre soeur ici. Garde-nous là. Viens donc, viens. Ça va, non? Viens, 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 t'embrasse. Viens, t'embrasse. Pour savoir ce que Satan peut faire dans une vie, prendre une vie comme ça, gâchée. Et faire comme ça, pourquoi on accuse autre personne? Donc, je t'embrasse, d'accord? D'abord, pourquoi tu ne voulais plus venir? Tu ne voulais plus venir? Tu vas maintenant venir, non? Chaque jour. Chaque jour. Parce que même avant, je doutais beaucoup de venir ici. Et puis, mon grand frère m'a expliqué pour moi dans la Bible, il m'a dit que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Oui. En vérité. Donc, c'est pour ça. Est-ce que toi-même, tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Bah oui. Comment tu sais que je suis un serviteur de Dieu? Parce que tu prêches pour les nations. Ah, ok. Mais quand j'étais touché ici, dimanche dernier, dimanche matin, là, tu étais content? Hein? J'avais jamais mal au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé quand il touchait? Me ça a commencé. Et après, ça s'est calmé, ça fait fou, comme le ballon, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, que Dieu te bénisse, d'accord? Mmh. Bientôt, je vais te remettre dedans, d'accord? Okay. Oui. Alléluia! Qui veut parler? C'est toi qui voulais parler ici, c'était qui? Viens, viens, non. Après, ne vous inquiétez pas, après, on va finir, ça, on va parler. Vous êtes dans sa présence. Amen. Nous sommes dans sa présence. Et nous sommes en train d'aller quelque part, d'accord? Ne vous inquiétez pas. On a tout notre temps. L'esprit est disponible pour nous. Amen. Le ciel du Cameroun ne peut pas être fermé. Amen. Je ne peux pas être fermé. C'est pour ça que je peux me réjouir. Vous venez n'importe quand ici. Comme la maman l'a dit que elle est supplique, mais le prêtre est même parti. Elle continue à danser. Ce n'est pas la présence, c'est pas ma présence qui amène quelque part, c'est sa présence qui fait ces choses-là, d'accord? Vous arrivez ici, même si on ne vous touche pas, dès que vous entrez ici, vous, juste Seigneur, merci parce que tu m'accordes la grâce d'être ici. Parce que c'est ici qu'il a déclenché l'ouverture du ciel du Cameroun. Et voici le carrefour du réveil. Donc quand vous entrez ici, même si on ne vous touche pas, faites attention que le doute ne vienne pas sur votre cœur, tout simplement. Beaucoup de personnes vont venir ici, ils vont sentir mal, mais en rentrant, ça disparaît. Amen. Parce que la nuit, quand vous venez, vous êtes sous la nuit. Amen. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Oui, bonsoir, ma soeur. Bonsoir, les saints parfaits. Après, ce que je veux dire, c'est un conseil pas par rapport à hier. C'est par rapport à quand? Avant que vous ne voyagez pour Yaoundé. Oui. À Bafoussam. Oui. Et puis le dernier dimanche avant ça. Oui. Ce jour-là, quand j'ai quitté la maison, parce que depuis mes 13 ans, je disciplinais au Seigneur, je disais, Seigneur, accorde-moi la grâce de te refléter. Mm-hmm. Je veux refléter Christ Jésus dans ma marche. Que tout ce que je fais partout là où je passe, que Christ Jésus soit prêché, ça au travers de mes comportements. Amen. À 13 ans. Et là maintenant, quand, depuis que le programme a commencé, quand je venais ici, je vois les gens tomber, ceci, cela, les choses se passent. Tu dis, je dis, Seigneur, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Mais pourquoi je ne tombe pas? Est-ce que je suis différente? Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Et dans ce jour, en quittant de la maison, je dis, Seigneur, je te demande pardon, peu importe ce que je fais. S'il y a un obstacle, Seigneur, je t'en supplie. S'il y a un obstacle à ce qui ne tombe pas, fais-moi tomber. Enlève l'obstacle et tombe, que c'est que tu es là. Seigneur, enlève. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, passe ton divin scanner sur moi, scanne-moi. Ah, entends, c'est moi, attends. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans, passe ton divin scanner. J'aime ça. Je vais prendre tes groupes de mots là dans mon vocabulaire. Bientôt, on va faire ça. Que Saint-Esprit passe ton divin scanner dans ces salles. Et quand s'il y a n'importe quel esprit un peu, tu les saccages. Ah, merci, ma soeur. Et quand je prie, je dis, Seigneur, je m'en vais, je m'attends pas à un homme, mais je m'en vais m'attendre à toi. Parce que je sais que toi seul, tu fais toutes choses comme tu veux. Mm. Mais dans ce jour-là, quand je suis venue, j'étais là-bas, je priais. Mm. Et après, tu es venu, tu es d'abord passé une première fois, tu as mis ta main sur ma tête. Mmh. Après, tu es repassé. Quand tu as mis d'abord ta main sur ma tête, ça m'a d'abord fait fondre en larmes. J'ai commencé à pleurer. Mais tu pleures pourquoi? Je t'ai tapé. Non, parce qu'il faut qu'on soit clair que je ne l'ai pas tapé. Parce que j'ai mis ma main, les larmes comme ça, il a commencé à fondre en larmes. Oui. Après, tu es venu encore une autre fois, tu as mis encore ta main sur mon dos. Tu as commencé à prier. Après, tu as mis ton pied au niveau de mon pied. Ah, ça. Tout ça, tu sens. Tu es là pour localiser qu'il a fait ça. Et je priais. Après, tu m'as soulevé.
Je dis, Seigneur, je ne résiste pas, Seigneur, je m'abandonne. Et toi, quel qu'en soit ce qu'il y a encore, passe ton petit escalier. Toi, Seigneur, oh. Toi, je ne résiste pas. Et là, comme ça, tu as commencé à souffler sur moi. Ça t'a entraîné seulement. Je suis tombée. Mmh. Et j'ai commencé à dire, quand tu disais, dis merci au Seigneur, dis, en fait, c'était comme mon cœur voulait seulement s'exploser en disant merci. Pour dire merci parce que je ressentais. Il y avait beaucoup de merci dedans que ça faisait. Ça avait s'exploser. Je voulais même sauter, casser la dalle aussi. Parce que je ressentais l'amour du Seigneur dans ma vie et je ressentais sa miséricorde en même temps. Je dis Seigneur merci. Merci. En plus, je crois que c'était dimanche. Je ne sais pas trop. Tu es encore revenu. Tu es encore soufflé. Là, maintenant, tu as beaucoup soufflé plus sur mon visage. Oui. J'ai là, et maintenant tout ce qui sortait dans ma bouche était Seigneur, je t'aime. Père, je t'aime. Accorde-moi la grâce. Que ce que je t'ai demandé depuis mes 13, accorde-moi la grâce de te refléter. Que partout là où je passe, Seigneur, que je te reflète. Et c'est là ce que je réclame encore, Seigneur, jusqu'à présent. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Tu veux parler? Viens donc, viens. Quand on parle, il y a les cœurs déjà. Papa, sois dans la salle-ci. Papa, sois! Oui! Viens! Viens, viens. Ouais, voyageur. Tiens-toi ici dans le couloir, c'est d'abord. Viens donc, ce n'est pas long, non? Bonsoir, extraterrestre. Bonsoir. C'est quelle salutation, ça? Vous allez faire, on va mettre mon nom ici dans la caisse. Shalom! Shalom! En fait, je rends grâce au Seigneur pour ce qui s'est passé hier. Hier, avant qu'on ne commence, j'ai ressenti que quelque chose devait se passer, que le Seigneur devait nous visiter. Et c'est comme ça que quand on a commencé à louer, je me suis prosternée. Et puis, j'étais en train de dire au Seigneur, Seigneur, visite les familles, visite nos familles, visite. Et subitement, pendant que j'étais en train de louer, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui là, je vais vous visiter, je vais visiter vos enfants, vos familles. Amen. Ça c'était avant le soir qu'on est venu. Oui, le soir, avant qu'on ne commence, avant que tu ne viennes. C'est comme ça que quand il m'a répondu, je me suis levée, je me suis assise. Et quand je me suis assise, le serviteur est entré, il a commencé à lire, il nous a donné les passages. Et quand il nous a donné les passages, il a commencé à crier, alléluia, crier. On a commencé à crier, il a dit alléluia, alléluia. J'ai commencé à crier alléluia, alléluia. C'est comme ça que directement, je suis tombée. Quand je suis tombée, je suis sortie hors de moi. Quand je suis sortie hors de moi, je me trouve que je suis au sol, je suis couchée, je regarde bien mon corps. Je suis hors de moi. Ouais. Regarde, quelqu'un dit bienvenue parmi les bizarres. Bienvenue parmi les bizarres. Elle a dit, hey, avant de se rendre compte qu'elle ne veut pas dire, hey. Donc, hey, elle s'est sortie comme ça. Elle ne peut plus arrêter. Hey. Continue. Ah. De mon corps, je suis couchée. Je vais directement dans ma maison. Je commence, c'est comme s'il y avait donc ton corps, tu es d'abord, dès que tu es sorti, tu as vu ton corps. Là, tu as vu ton corps, tu dis ok, j'arrive, reste là, j'arrive. Tu pars maintenant. Je suis partie directement à la maison. C'est comme s'il y avait l'esprit, en fait, c'est comme si l'esprit qui était en moi devait réveiller tous ses enfants. Donc je réveillais les enfants. Au point où nous tous on criait à la maison, alléluia, alléluia, alléluia. Et quand je quittais la maison, je partais dans des familles, dans mes beaux-fils, j'entrais dans leur famille, donc c'est comme si l'esprit leur rassemblait et tous ont crié. Et dans le quartier où j'étais, j'ai rassemblé tous les jeunes. Wonderful. Tous les jeunes. Toujours hier là comme ça là. Hier, oui. Hier. Et puis quand on les rassemblait, on criait alléluia, alléluia. Et quand on criait alléluia, les ennemis tombaient, ils faiblissaient. Et le nom de mon quartier, c'est Koto. Directement, le Saint-Esprit me dit, Koto veut dire la barrière brisée. Et quand on criait, la barrière se brisait. Ça se brisait. Et quand ça se brisait, on sautait avec des cris de joie. Et quand on sautait avec les cris de joie, les cris se répandaient partout au point où ça touchait toutes les familles. Et les familles étaient délivrées. Amen. C'est comme ça que quand les familles étaient délivrées, j'entends la voix qui me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. J'ai seulement dit gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Attends, viens, viens. Après, tu as dormi à Koto, comment tu as fait pour revenir? Comme, dis-nous, comment tu fais du coup comme ça, quand tu comptes l'histoire? Parce que tu nous as dit que tu étais sorti, maintenant tu es allé à Koto, tu finis, tu ne dis pas comment tu es rentré.
En fait, quand je suis revenue... Il a oublié l'autre partie du film. En fait, quand je reviens, moi-même, je suis étonnée. Mais quand je reviens, je ressens que je suis embrasée du feu. Le feu m'avait vraiment envahi jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand je... c'est comme s'il y a un feu. C'est comme s'il suffit seulement que je touche quelqu'un. Et que quelque chose se passe. Tout mon corps actuellement. Et voilà, et quand je suis voilà. Je suis entrée dans mon corps. J'ai ressenti une paix. Je ne sais pas comment je peux exprimer la paix là. Donc, on dirait, on m'a vidée. Voilà, c'est comme si j'étais vidée. Et puis mon cœur est redevenu comme le cœur d'un bébé. Et le cœur d'un bébé qui n'a pas nous dit un ça. Problème, qui n'a pas de soucis. Est-ce que tu as un problème? Je n'ai pas de problème. Alors, applaudissons pour le Seigneur. Frère, viens. Viens, frère, viens. Frère, viens nous dire ici, ici. Frère, viens ici, ça c'est conducteur. Qu'est-ce qui s'est passé sur toi hier? Bonsoir, extraterrestre. Je rends grâce à Dieu de sa présence parmi nous et de son esprit qui est au milieu de nous. Hier, dimanche, pendant que je suis assis là-bas, on a fini le service du matin. Et on a pris rendez-vous pour le service du soir. Et le soir, arrivé quand je suis là, je dis, ah Seigneur, tu te manifestes de manière comme tu veux. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on attend pour voir. Alors toi, tu es arrivé, tu as dit que on ne va que rendre grâce à Dieu. Après, on va pouvoir courir les passages, les textes. Que crier seulement pour rendre grâce à Dieu. Dans mon esprit, il me vient une parole. Aujourd'hui, les murs de Jéricho vont tomber. Directement dans son esprit. Directement dans mon esprit. Aujourd'hui, les murs de Jéricho vont tomber. Alors, c'est comme ça, quand je commence à rendre grâce à Dieu, je dis, merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Je reçois une vision où, à la maison, dans ma maison. Attends, frère, viens. Quand il dit que qui a quelque chose à dire ici, tu n'as pas levé la main. Et tu as des choses comme ça, tu veux garder pour toi. Et tu n'es pas seul dans cette salle-ci. Vous voulez qu'il commence à mettre non comment? Parce qu'après lui, c'est toi. Après lui, c'est toi. Vous ne pouvez pas, écoutez bien. À cause des témoignages, vous dévoilez non seulement le royaume de Satan, mais vous proclamez la puissance de Dieu et vous fortifiez les gens qui sont faibles. Amen. D'accord? C'est pour ça que vous devez témoigner. Parce que c'est à cause des témoignages, d'autres personnes viennent dire que viens. On a vu certaines choses. Viens et vois. Parce que le moment de témoignage va commencer à sortir. Vous allez seulement sortir pour dire aux gens que Jésus a fait ceci pour moi. C'est ça le vrai témoin de Jésus. Amen. D'accord? Amen. Quand il fait quelque chose, tu dois témoigner. Nous sommes les témoins de Jésus. Quand Dieu témoigne de ses bontés dans sa vie, il élargit davantage et il bénit des vies. D'accord? Donc voilà le conducteur, il voulait partir avec cela. D'accord? Continue mon frère. Bon, c'est vrai que je pensais simplement que bon, si les autres vont témoigner, je serai édifié. Et puis on va prendre. Alors, ok, non. Tu voulais que les autres t'édifient, tu n'édifies pas les autres. Tu as lancé ton cahier d'oiseau à vue. Témoigne. Maintenant, dans cette vision-là, je vois. Là, tu es toujours ici. Ici, là. Oui. Justement, alléluia, gloire à Jésus. Et tu avais dit que quand on voit, on fait comme ça, là. Oui. Mais ce n'est pas les yeux que j'ai vus. Oui. C'est là-bas que je les ai vus. Oui. Qui ont atterri. Oui. De manière farouche. Oui. Et il suffisait seulement qu'il lève le pied comme ça là, dégager des portes sans toucher la porte et les portes sautaient de part et d'autre. Tu les as vus au nombre, tu as vu le nombre? C'était environ deux localisés. Et puis les chaînes que j'ai vues qui étaient brisées n'étaient pas des chaînes ordinaires. Petites chaînes. C'est les, ouais, quand vous passez au feu rouge Bessingue, il y a les chaînes de bateau. Oui, les grosses chaînes là qu'on fait pour attraper le bateau sur le toit. Voilà, qui prennent l'ancre du bateau, qui tiennent l'ancre. Oui. C'est ce genre de chaîne que je voyais. Et il n'avait pas besoin d'effort pour le faire. Et je vois simplement encore la hargne qu'ils avaient à briser toutes ces chaînes dans ma vie. Parce que j'ai tant de dire. Et puis, comme une sœur a témoigné aujourd'hui, je vois défiler beaucoup d'événements de ma vie dans lesquels ils étaient en train d'interagir. Oui. Ils agissaient. Et puis, au point où, j'ai le témoignage de la sœur Laura, il restait pour dire qu'est-ce qu'il y a encore ici là qui n'a pas été fait. Quoi, il reste encore quoi qui n'a pas été fait. Et voilà les images qui m'ont marqué véritablement. Et tu étais assis là et ça se passait. Oui, ça s'est passé ici. Et juste là, on disait seulement alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Attends, il va encore accentuer sur une chose. Et ça, chaque fois que je mets pause pour dire c'est pour l'enseignement, parce que j'ai dit, je reconnais que beaucoup d'entre vous sortez de beaucoup de milieux. Très souvent, on a comme impression que c'est quand on prie beaucoup, c'est un choix, en multipliant les mots, que quelque chose se passe. Hier, le Saint-Esprit dit, suivez juste l'instruction. Amen. Suivez juste l'instruction. Quand l'instruction est donnée ici, le Saint-Esprit dit, dites seulement, il ne se pose pas la question. Amen. Dites seulement ça.
Ce n'est pas en disant que Seigneur brise même ce qu'il va le faire. Amen. C'est parce que, regardez, quand il a donné l'instruction aux Juifs de marcher tout autour du mur de Jéricho, il a donné le nombre de tout qu'il devait faire le premier jour. Deuxième, 7 jours, le dernier jour, il a dit ce qu'il devait faire. Il a dit quand ça va faire, quand on va pousser des cris. L'ennemi voyait, parce qu'eux, ils combattent souvent avec les armes. Mais ils ne savent pas que c'est une autre arme avec laquelle Dieu voulait les détruire. Quand ils ont fait le dernier jour, ils ont fait poum poum. Dès qu'ils ont fait ça, poum poum, les gars, l'ennemi était là sur la barre. Il dit que, voyons, peut-être les gars sont fous. Une fois qu'on fait le tour ici, il n'y a pas de se reposer. Mais c'est tout qu'ils faisaient, suivaient l'instruction que le Saint-Esprit avait donnée. Parce qu'on ne part pas en guerre en faisant les tours. Ils partent combattre des gens, ils ont les flèches devant là, ils sont sur le mur. Au lieu qu'ils viennent, ils cassent le mur pour entrer pour les libérer, ils viennent comme ça, ils sont nus. L'ennemi est sur la barrière, ils disent, mais ils viennent combattre, on dit oui. Et ils ont quoi entre les mains? On dit qu'il y a chanteur devant. L'ennemi sont avec l'arme, ils regardent, ça dit, ils voient les sacrificateurs. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de Jéricho sont tombés. Ils disent là-bas sur le mur qu'ils continuent à louer, que le mur tout le monde voit. Pas vrai? Parce que ce n'est pas conventionnel. On ne lutte pas en guerre en chantant. Et on n'a jamais entendu qu'une armée va en guerre, les musiciens sont devant. Amen. Mais Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen. Parce que ses théories et ses façons de faire ne sont pas nos théories. Amen. Alors quand on a fait ça, ils ne savaient pas que le combat était d'ordre spirituel. Le dernier jour qu'ils ont crié, le mur s'est écroulé. Donc, je suis en train de vous dire tout simplement que suivez les instructions. Amen. Si les gens qui étaient derrière, qui devaient suivre, disaient à Josué, mais Josué, tu as été derrière dans le combat. C'est vrai que tu as marché avec Moïse. C'est vrai que tu écoutes de Dieu. Où est-ce que tu as vu qu'on part en guerre, on met les musiciens devant? Ça ne marcherait pas. Ils devraient écouter l'instruction donnée par Josué. Souvenez-vous que Dieu n'a pas parlé à haute voix depuis le ciel que tout le monde a entendu l'instruction. C'est Josué qui est venu leur dire que ainsi parle l'Éternel. Voici l'ordre à suivre. Marchez ainsi. Ils ont marché, le mur de Jéricho est tombé. Donc de grâce, quand vous entendez... Il chante des fois, il dit, dites merci au Seigneur, dites-lui merci. Parce que pour d'autres personnes, ça déclare quand on a dit c'est merci. Si. Faites juste ce que le Saint-Esprit vous dit. Vous entendez chaque fois, il suit dans la salle, il dit, dites-lui merci, tu entends quelqu'un qui dit que, Seigneur, fais-le pour ma famille, fais-le pour ma famille. Je recommence, je m'en mets à côté de la personne, il dit, dites-lui juste merci. Je ne peux pas me tourner vers, parce que je me tourne vers la personne, je lui dis que non, 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 dis merci, elle va faire ça par la chair. Donc, là, je crie à haute voix, j'élève encore davantage ma voix, il dit, dites-lui merci. Parce que la phase a changé. Donc, de grâce, suivez les instructions. Vous remarquez, voici, frère Hervé, il n'a pas dormi pour voir la vision. C'était ici qu'il a fait la vision. Celle-là aussi, c'est ici. L'autre, c'est ici. Or, si on commence à dire, non, taillons les trucs de nos familles, il va vouloir tailler par sa force. Mais le fait que le Saint-Esprit nous a donné un carnaval, crier juste Alléluia, louer le Seigneur, il va délivrer la famille, ainsi de suite. Les anges sont descendus, ils ont brisé les chaînes. Amen. Alléluia, il faut partir. Est-ce que je peux compter sur vous pour suivre les instructions chaque fois quand c'est donné? Amen. Amen. Donc, quand on est prié, suivez le carnaval qui est donné. Amen. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles qu'on est exaucé. C'est à force de suivre l'instruction telle que c'est donnée. D'accord? Amen. Même si ça vous semble pas, ça vous semble bizarre, dites juste ce qu'on a demandé de dire. Amen. Dites juste ça. Supposez que j'étais venu ici, comme je suis venu hier, et que je n'étais pas dans l'obéissance de l'instruction qu'il a donnée. Il a dit, lis. Dans mon esprit, je voulais que je donne l'opportunité à chaque personne de tailler les idoles de sa famille. Mais il a dit, dites juste les actions de grâce, dites juste merci. Alléluia, alléluia, criez à lui, criez à lui, criez à lui, criez à lui. Quand on a crié, les gens commencent à être délivrés. Vous voyez ça, frère? Supposons qu'il disait que non, mais attends, on n'a jamais vu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on écrit Alléluia, les gens sont délivrés. Mais à un moment donné, dans le Saint-Esprit, dit que la Bible déclare, loué soit le Seigneur et je suis délivré de mon ennemi. Donc il voulait dire, on en voulait expérimenter, Psaume chapitre 18, verset 4. C'est devenu vivant au milieu de l'assemblée. Amen. D'accord? Amen. Donc de grâce, je vous en conjure. Quand l'instruction est donnée, ne priez pas par votre intelligence, suivez l'instruction. Amen. D'accord? Amen. Même dans votre propre vie de prière, quand vous êtes à la maison, vous voulez prier, vous pouvez décider que vous allez dans votre closet, dans votre lieu privé pour prier. Vous partez pour prier pour votre famille, vous vous rendez compte que Dieu vous pousse à faire autre chose. Laissez-vous aller. Amen. Laissez-vous aller, ne résistez pas, d'accord? Amen. Très bien. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Donc tu as vu ces anges-là, oui, qui ont commencé à casser. Oui, ils ont cassé. Mm-hmm. Briser toutes les chaînes. Et puis moi, je vois la force qu'ils déployaient, ils n'avaient pas d'effort à faire. Oui. À moins de coups, c'était parti. Et puis, ils étaient fascinés par le fait qu'ils cherchaient encore tout ce qu'il y avait qui pouvait encore résister jusqu'à ce qu'ils ne trouvaient plus. Oui. Et puis, pouf, ils ont disparu. Amen. Maintenant, quand je ne priais pas, je rends grâce à Dieu de ce que tu interviens pour nous enseigner. Mm-hmm. Je ne priais pas par rapport à taille. Briser les liens. Mm-hmm. C'était simplement Alléluia. Mm-hmm. Et beaucoup d'événements de ma vie défilaient au-devant de moi, mm-hmm, dans lesquels le Seigneur a intervenu. Oui. Toujours hier là. Alléluia. À partir de là, maintenant, la seconde phase, tu as dit Amen. On s'est arrêté. Puis tu as dit Maintenant, prenez, écoutez ceci. Mm-hmm. Écoutez ceci.
La Bible déclare, dans le psaume 18, oui. Je m'écris. Loué soit le Seigneur. Avant qu'il ait fini, j'ai demandé les trucs comme ça là. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? C'est pour ça qu'il s'est arrêté, c'est pour ça qu'il a appelé. Parce que quelque chose est arrivé dans la salle. Qui a suivi cela? Vous êtes trop fort pour ceux pour les autres. Et puis c'est dans mon cœur, je ne sais pas si c'est la bombe qui a explosé dans mon cœur. Alléluia. Amen. Moi, j'étais ici parce que le Seigneur est venu m'expliquer que ce qu'on a de faire, c'est ce qui se passe. Donc j'étais dans le marché comme ça là. J'ai dit, la Bible déclare que loué soit le, que je me crie, loué soit le Seigneur. Ah, j'entends ça sort ici comme ça. Là, brrr, tout le monde, c'est pas ça. Hein? Dis-nous, explique-nous ce qui s'est passé. Donc pendant qu'il était en train de parler, comment ça s'est arrivé sur toi pour que tu répètes ça directement? Parce que tu sais, la façon que tu as répété. Tout le monde, en tout cas, si vous discernez l'esprit, tout le monde a su que ce n'est pas le frère Evé qui a répondu. Qui a su ça? Applaudissons pour le Seigneur. Donc, tout le monde a su que ce n'est pas lui, parce que s'il répète, il répète selon l'écriture qu'il connaît. Mais la façon dont c'est sorti hier, ce n'est pas lui. Le Saint-Esprit a relâché cela, seulement dans l'atmosphère. Oui, dis-nous, quand tu as entendu ça? Ah, tu as déjà tout dit. Donc en fait, dans mon cœur, comme je soupirais et que je voyais ce qui s'est passé dans la vision, et quand tu nous as stoppé, et que j'étais attentif à ce que tu disais, le psaume 18 écrit, et puis c'est... Ah, c'est sorti comme ça, boum. C'est ce qui devait. Après, tu n'as pas dit que mes frères, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Qu'est-ce que tu donc dis de ça, frère, en tant que conducteur, de ce qui s'est passé hier? Mon âme s'est réjouie et mon âme bénit le Seigneur, parce que en réalité... Il est vrai que nous sommes en train de développer, appeler à développer chacun pour sa part une intimité avec Dieu. Et je travaille et je demande la grâce à Dieu, la grâce au Seigneur de véritablement être de manière intime liée à lui. Oui. Maintenant, chaque fois que je viens ici là, et je me rends compte que le Seigneur, le Saint-Esprit agit différemment, jour après jour. Amen. Et puis je me rends compte qu'en fait, le serviteur de Dieu, le frère Junot, quand il arrive, en réalité, il n'a rien préparé. Il n'a rien préparé, il n'a pas quelque chose qu'il a dit avant que je vais faire ceci aujourd'hui. Il arrive là comme ceci là. Et le Saint-Esprit nous conduit comme il nous conduit. Ça me montre encore qu'en réalité, je dois également travailler, n'est-ce pas, pour être conduit par le Saint-Esprit. C'est laisser conduire. Se laisser conduire et laisser le Seigneur agir. Amen. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre ici là, si le Seigneur n'est pas en train d'agir, ça ne peut pas être. Ce sera du folklore. Ça me parle de vrai nom. Sinon, qui peut donner le Saint-Esprit à celle-là? Qui peut souffler sur le frère de Côte d'Ivoire? Qui peut l'amener en Sibérie? Qui peut faire sortir, c'est aller à Côte de Brésil? Qui peut te montrer les anges là? Est-ce le frère Gignot? Non, non, non. Le Saint-Esprit est à l'air. Amen. Et je me rends, je voulais terminer en disant ceci. Hier, quand je suis en train de prier, tu m'as accordé pour que je puisse souffler sur maman Flo. Oui. Et pendant que j'étais en train de souffler sur elle, je me rends compte que, un peu comme le frère Jean, quand je soufflais sur elle, j'ai emprunté les paroles du frère Eden. Oui. Une fraîcheur envahissait tout mon être entier. Oui. Une glaceur. Pendant que je soufflais là, je n'ai jamais soufflé. Dans la période des 21 jours, tu as travaillé avec les plus jeunes, Ézéchiel et autres là. Mais je me suis rendu compte que depuis que je souffle là, je suis renouvelé dans ma force. Amen. Et puis j'étais frais quand je soufflais sur elle. Et puis je voyais les choses se manifester. Je pouvais voir clairement comment les choses sont en train de quitter la vie de maman. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Amène-nous ta femme. Pas sur la table, hein. Amène-nous ta femme, elle vient. Témoignage. Qui d'autre va témoigner? Qui veut témoigner? Maman, ouais, toi aussi, n'est-ce pas? Voilà. Mieux tu dis ta partie que je sens. Qui d'autre va témoigner? Toi aussi. Oui. Donc après, papa, sois d'accord? Ou alors, on dit. Bonsoir. Bonsoir. Donc, papa, quand elle parle, tu traduis, d'accord? Ah, depuis, papa, n'aime pas parler. Papa, bonsoir. Bonsoir. Bon, papa, bonsoir. Bonsoir. Hey. Donc quand ta voix est partie, c'est parti aussi. Dis alléluia. Alléluia. Qui peut parler ici là? Tu peux parler ma soeur. C'est dit bonsoir. Tu dis ça haute voix, d'accord? Hier quand nous étions ici, il y a un petit détail que j'aimerais soulever. Bon, pourquoi tu voulais soulever ça d'abord? Tu étais assis avec ça, pourquoi? Elle dit qu'il y a un petit détail qui me l'a soulevé. Alors qu'elle était assise là-bas, elle ne voulait même pas parler. J'ai le désir de soulever ce détail plus que de faire. Soulève-nous, salon, soulève. Je suis entrée ici. Merci pour tous ceux qui m'ont soulevé ici, même surlevé ici dans mon anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, d'accord? Je suis entrée ici. Attends, c'est la première fois sur la terre qu'on célèbre mon anniversaire. Et ne jamais célébrer cela.
C'est la première fois et c'est vous qui avez célébré mon anniversaire. C'est notre anniversaire. Je prends le plaisir de voir les autres heureux. Que les autres célèbrent leur anniversaire, particulièrement mon épouse, parce que je vais toujours la surélever jusqu'au ciel. Amen. Hier, vous avez décidé de me soulever. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dis-moi alors. C'est parce qu'elle a dit soulever que ça m'a fait revenir sur cela. Mais mon anniversaire va jusqu'au 31. Quand j'appelle le serviteur, crie sur toi. Oui. Il était assis quelque part ici. Oui. Le matin, je suis assis derrière. Là, il m'assoit derrière mon lit. Donc, tu as fait les deux services, le matin, le dimanche et le soir. Quand j'allais là-bas, oui. Je me suis assis. Il m'a dit, pourquoi tu vas là-bas? J'ai dit, ok. Il m'a dit, voici ta place, rentre ici. J'ai d'abord voulu résister un peu dans mon cœur. Ah, qui c'est mon frère, pour tout mon sang. Je suis rentré m'asseoir là-bas. Là où l'homme de Dieu a dit. Exactement. Quand je suis retournée, en fait, j'ai compris qu'il était nécessaire que je sois là. Vous voyez juste les petits détails comme ça. Donc, elle vient, elle va aller s'asseoir là-bas. Le serviteur Christ Victoire dit, quitte là-bas, va t'asseoir là-bas. Si vous murmurez contre le Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas ce qui en est voulu arriver. D'accord? Donc, quand vous venez là, laissez-vous conduire seulement. Continuons ça. Et puis, on a commencé, quand le frère Junior est arrivé, il a demandé, on a lu quelques passages. Et puis, ça, dit, c'est la période du soir ou le matin que tu racontes? Oh, okay. J'ai demandé au Seigneur. Quand on crie, je vais crier quoi? Ah, je ne connais pas faire le ou, qu'on fait là, ça ne sort pas bien. Et puis je me suis mise à dire, alléluia, alléluia, alléluia. Après peut-être 35 minutes, le serviteur a arrêté. Il a dit, écoutez. S'il y a un frère qui ne manifeste pas trop ici, là, c'est ton mari. Frère, oui. C'est ton, dis ton mari, qu'on comprenne bien que c'est ton mari. Et puis, j'étais calme comme ça parce qu'il venait de baisser mes mains pour écouter l'instruction que le serviteur donnait. Il a commencé la phrase et puis j'ai entendu comme un tonnerre qui a retenti. Il a terminé la phrase. J'ai d'abord resté 3 secondes. Tu as dit ça à mon mari encore? J'ai dit que j'ai commencé, c'était pas lui. Il a dit ça là. Ça a touché en mon mari. En fait, quelques secondes avant, pendant que je demandais au Seigneur que dans Alléluia, qu'est-ce que mon cœur, si mes lèvres disent, qu'est-ce que mon cœur peut accompagner là-dedans. Et puis je me suis retrouvée en train de soulever 3 sujets de prière parmi lesquels il n'y avait qu'un sujet qui le concernait. Dans le sujet, quand j'ai fini à peine de prononcer, pendant que tu parlais, c'est là où il a. Quand le tonnerre est venu. Il a directement éclaté. J'étais surprise et dépassée. Puis ça m'a soulevée. C'est senti comme si. Comme tu n'étais plus là. Mes pieds avaient quitté le sol. Je dis, mais je peux être légère comme ça. Puis je me suis mise à sauter. Alléluia. Et la phrase qu'une soeur m'a dit un jour. Quelle soeur? Il faut crailler les gens. Ma soeur casse. Et une chose est passée. Elle a arrêté tes mains. J'ai vu un courant passer de ses mains à ton corps. Amen. Tu ne peux pas échapper. Tu vas raconter cela. Ça s'est passé ce soir. Qui a vu ça? Qui a vu ce scénario? Mais vous priez, vous êtes regardé les gens. Comment vous avez fait pour voir ça? C'était devant toi. Là-bas. Oui. Sœur Nadine, elle a dit, laisse moi elle m'a fait face à face avec Dieu. Elle a dit que. Boum, c'est ce qu'elle t'a dit. Elle m'avait dit. Elle t'avait dit ça. Ça fait 3 ans. 3 ans. Dans ces gars, pour dire toi que laisse. Ton mari va faire une face à face avec Dieu. Là, ça fait encore ça. Que bon. Et puis j'ai pu subir ça. Oui. Subitement, je me raconte qu'elle me tient la main. Et ça me soulève encore davantage. Et puis je me suis retrouvée ici à la porte. Pour la suite, là, franchement. Tu ne maîtrises plus. Oh. C'était trop fort. Que le Seigneur soit glorifié. Pendant que vous en êtes d'écouter tous ces témoignages, que des fleuves que Dieu a mis dans vos seins continuent à grandir et coulent. Que Dieu vous l'accorde. Amen. Bonsoir les saints parfaits. Si tu ne veux pas les appeler les saints parfaits, tu vas encore les dire quoi encore? Les extraterrestres. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait dans ma vie depuis que j'ai intégré le milieu. Mais il faut aussi admettre que ta transition est difficile, est brute. Parce que tu es du milieu religieux, tu viens dans un milieu, on crie bizarre. Raconte-nous d'abord cette période de transition là. D'accord. Comment tu quittes le milieu religieux? Le milieu où tu étais, est-ce qu'on se comportait comme ça?
Tu viens, on te dit maintenant qu'il y a la guerre. Tu viens toujours, toi-même, tu viens dans la guerre. Il y a le jeûne, il y a le nu de guerre. On vient, tu viens dans la guerre. On dit les aides, on s'assoit au sol, on se met à genoux, on fait ceci, tu es au milieu. Explique-nous pourquoi, comment tu as fait, pourquoi tu as fait comme ça là, avant d'arriver sur le témoignage. Même, je n'étais pas au milieu, je n'étais pas avec les soeurs, mais j'étais toujours avec les soeurs parce que je veux dire merci à Dieu pour maman Edith. La maman Edith, elle t'a persécuté, n'est-ce pas? Elle m'a beaucoup persécuté. Non, c'est persécuté, elle t'a sanctifiément persécuté. Ça veut dire que persécution saint, d'accord? Que tu vas sauf que sur Jésus, comme là où je suis. Dans la vérité, tu as servi Dieu en vérité. J'étais dans les milieux partout. Il me disait que tu n'es pas en train de servir Jésus. Je dis que là-bas, ce qu'on fait est ce que mon cœur est en train de servir Dieu. Oui. Je dis que tu n'es pas dans la bonne. Tu ne sers pas Dieu de la bonne façon. Voici ce qu'elle me disait. Quand tu ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait dire. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. Parce que tout ce qui se passait là-bas, je n'étais pas par rapport à tout ça. Tu faisais toi ce que tu pensais que c'est pour Dieu. Pour Dieu, c'était ça. Et quand elle me disait toujours, un jour, elle m'a dit quelque chose qu'elle peut-être a oublié. Elle m'a dit, j'ai fait un songe que je t'ai vu dire. Je te disais de laisser quelque chose. Tu étais attaché à ça. Tu étais attaché à ça. Et elle posait la question dans son cœur que mais la mère, si je la connais, rien ne l'intéresse si bien qu'elle puisse s'attacher à ça comme ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai baissé les yeux. Elle-même, elle n'a pas compris. Donc ça t'a touché. Oui, je suis rentrée dans mon intimité. J'ai regardé, j'ai vu. C'était la mèche. Les mèches t'attachent, tu attaches les mèches. Dis-nous, tu avais attaché ça comment? C'était dans ton cœur. Oui, donc ça me plaisait. J'ai juste... Mami Nyanga. J'ai dit que, ok, si c'est ça. Et un jour, on était encore avec la soeur Nadine. J'ai dit, il n'y a que les mèches. Donc, tout ce que vous faites là, comme la sanctification, moi, je sais que j'ai vu une vie de sanctification. Il m'a demandé que, maman, donc, c'est seulement ça. J'ai dit que non. Je n'ai rien à cacher. C'est seulement ça. Elle m'a dit que, ouais, que le Seigneur t'aide. Elle a dit, ouais, que le Seigneur t'aide à laisser les mèches là. Tes mèches, que, ouais, mais tu rentres, tu vois tes mèches à la maison, tu dis, merde. Je suis rentrée, j'ai pris tout ça, j'ai brûlé. Mince. J'ai brûlé. Ça ne t'a pas fait mal? Non, quand je brûlais, j'avais. Le cœur était libre. Le cœur était libre. Donc, quand tu n'avais pas brûlé, le cœur était attaché. Dès que tu as brûlé, ça t'a libéré. Bon, okay. Quand elle m'a dit ça, j'ai regardé, j'ai vu ça, j'ai dit que non. Qu'est-ce que ça me sert même à quoi? Voilà. C'est même quoi? Oui. J'ai pris ça, j'ai dit que ok, je suis allée dans ma cuisine de bois, j'ai brûlé. Et quand on a cheminé jusqu'au 7e, 21. Parle pas un peu fort, il y a le frère, le prophète ambulant là qui. Il t'a ses oreilles, il n'entend pas bien. On a fini avec 21 jours. Le frère a commencé dans la repentance, le pardon. Oui. Nous, c'était en 2000 combien. Ma mère Edith m'avait invité. Je suis venue à l'Omnisport. À l'Omnisport. C'était à l'Omnisport, ce n'était pas à l'Omnisport. Le frère est entré. J'étais loin là-bas, en langue. Il s'est tenu à la porte. Il dit que lève-toi. Moi, toujours moi aussi. Oui. Ça, c'était en 2000 combien? En ça, j'étais chez Olivier Ndongo, quand on m'avait invité à prêcher là-bas. Toi, tu étais là-bas, là, tu étais venu là-bas. Oui. Mais maman, elle dit là, t'as aidé. Eh, mais vraiment. Oui, donc le jour-là, j'étais elle tenu. Et... Tu m'as dit, lève-toi. Pardonne tout ce que tu as attaché dans ton cœur. T'avais dit ça le jour-là? Oui. Ça m'a même énervé. Ça t'a énervé. Applaudissons pour le Seigneur. Je souffrais tellement dans mon cœur à cause des gens. Donc tu as tellement fait ça, t'avais fait souffrir dans le cœur. Donc je voyais la peine. Et je disais que ça c'est quoi. On veut me dire que je les pardonne. Après je dis que je les ai pardonnés. Je les pardonne comme ça. Alors que ce sont des accidents.
quand mon frère a commencé le septième jour, deuxième jour, il a commencé à parler de la repentance, de pardonner les gens, c'est venu dans mon cœur. Wow. Encore. Donc, je me tends dans mon cœur que va pardonner. Va pardonner. Mmh. Donc, ça veut dire, depuis ce moment-là, ça c'est 2013 jusqu'à 2023, 10 ans sont passés dans ton cœur avec ces gens-là. Mon cœur. Et dans mon cœur, je me disais que je les avais pardonnés. Mmh. Alors que tu avais ouvert une cellule dans ton cœur et gardé dedans. Je me suis approchée du frère. J'ai expliqué le problème pendant que les autres se battaient dehors pour se pardonner. Le frère m'a dit que mets-toi à genoux et tu pries. Dès que je me suis mise à genoux, j'ai prié, j'ai senti une liberté et que le Seigneur, dont je comprenais dans mon cœur, pourra pardonner. Même si c'est eux qui t'ont offensé, il faut les pardonner. Je suis arrivée un jour là où je partais pour dire à la personne que non, je te libère dans mon cœur, que ce soit ce que tu as fait, ce que moi-même aussi j'ai fait tant de mal en te portant dans mon cœur. Je dis que je lui ai pardonné. Je monte sur la moto, j'entends que retourne. Tu voulais fuir pour ne pas partir. Oui, que retourne, tu vas. J'ai dit que non. Ah. Quand je suis arrivée ici, le premier, je lui ai encore parlé. J'ai dit qu'avant que je finisse le programme, je vais aller. Dès que je suis partie, j'ai senti une paix, une liberté que je n'ai jamais eue. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Depuis les 7 jours-là, le Seigneur a vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de nettoyage à l'intérieur. Beaucoup de nettoyage. Et particulièrement hier. J'étais beaucoup chargée. Attends d'abord, maman, attends. C'est qui? C'est Papa So. C'est Papa So. C'est le réveil, frère. On fait comment le Papa So? C'est l'anniversaire. C'est mon anniversaire. Oui, c'est ton anniversaire. Attendez, c'est moi. Le 31 va finir, ça va finir. Le 31 va venir, ça va finir. Donc même quand tu éteins, ça fait toujours ça. Heureusement que tu pars dans les dimensions. Il peut faire comme ça, il part là-bas, il peut me trahir là-bas dans les dimensions. Là-bas. Ah oui. Donc hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, quand nous avons commencé, j'ai entendu seulement... Un peu à haute voix pour que les gens entendent là-bas. Je sentais seulement que j'avais vomi. Oui. Vomi. J'étais couchée sur le mur là. Oui. Je ne sais pas qui m'a porté pour me mettre au sol. Donc c'était fort, je ne sais pas comment commencer parce que c'était fort. C'est que je te souviens. Je me souviens là où il a tapé la main sur mon dos, c'est comme si on avait pris le marteau, mettre sur mon dos. J'ai crié, c'est que aidez-moi, aidez-moi. Donc je ne comprenais pas. Ton corps. Oui, je ne comprenais pas mon corps. Quand il a soufflé dans mes oreilles, je ne sais pas qui c'est. Donc c'était comme si j'étais loin. Et ça faisait sortir des choses avec le sang. Qui essuyait? Tu as vu ça? Avec le sang, oui. Donc j'ai eu tellement mal dans mes oreilles. Quand la personne soufflait sur moi, c'était glacé. Toujours. Glacé. Et il y a aussi un vent qui venait pas de lui, qui venait sous moi. Ça me donnait une paix. Oui, je sentais une paix. Après, je sentais dans mon esprit que ta paix est parfaite. Ta paix est parfaite. Je pouvais, donc, quand la sœur Luciane a témoigné, elle disait qu'elle pouvait sentir comme si c'était elle. Donc j'ai compris que c'est le Seigneur qui est en train de faire son œuvre en toi, dans ma vie. J'ai senti mes pieds comme si c'était les crampes. Je dis mais ça c'est quoi? Après je sens mes deux pieds se lever, coller. Je dis que ah, Seigneur, c'est toujours toi qui as l'œuvre. Donc
jusqu'à présent, j'ai, c'est comme si j'ai fait un sport qui n'a pas de nom. Juste en criant, allez. Alléluia. Donc, quand il a soufflé sur ma tête, j'ai senti comme si ma tête balançait, comme si c'était le serpent. J'ai dit que, mais ça, c'est quoi sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je pouvais chercher à m'abstenir, et c'est comme ça que la chose ne faisait que augmenter. Mmh. Merci au Seigneur. On va aller de témoignage en témoignage, d'accord? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. Et quand on criait. Oui. Quand on criait, alléluia. Alléluia. Comme tu as crié. J'ai crié. Mmh. J'ai vu les cardinaux. Les cardinaux. Ça sautait. Ça sautait. Applaudissons pour le Seigneur. Attendez, avec un gros cardinal. Lui qui a sauté aussi. Oui. Oui, les petits petits cardinaux ont sauté. Oui. Et un gros a sauté. Aussi. Un gros a sauté. Oui. Et tu as, qu'est-ce que tu comprends par ces cardinaux qui sautaient quand on criait? Quand des. Donc, je voyais la vie des enfants. Amen. Mmh. Comment ça s'est libéré? Applaudissons pour notre Seigneur. Vous remarquez, juste suivre les instructions. Par ces cris aujourd'hui, non seulement vous allez vous libérer, mais vous allez libérer les familles, dit le Saint-Esprit. Et on crie tel qu'il a dit, et les familles sont délivrées. Amen. Que Dieu te bénisse, d'accord? Bonsoir, mes bien-aimés. Un témoignage. Bon, je vais commencer hier. On commence hier seulement. Pour hier. Non, dis seulement pour hier, tu comprends, non? Okay. Hier seulement. Mm. Le, demain, on va prendre pour hier, avant-hier, là. Le... Ok. Non, le reste, je vais garder. Oui, garde. Okay. Pour hier. Mm. Hier, après les enseignements, je me suis dirigé en bas. En fait, après les enseignements, je me suis dirigé en bas de l'arbre dans les... Ça, hier, c'était dimanche. Il y avait deux groupes, deux ateliers. Oui, il y a la session du matin. Là, tu parles de quel, moment? Du matin. Du matin, voilà. Il faut préciser pour qu'on soit bien. Après l'enseignement du matin, oui. Je me suis dirigé en bas de l'arbre avec quelques frères. Oui. Et puis, dans mon cœur, je me sentais pas à l'aise. Mm-hmm. Je me suis mis à méditer dans mon cœur. Et puis, je me sentais qu'il fallait encore aller revoir les passages que... qu'on a donné ce jour-là, oui. Après, je suis monté en haut. Je me suis mis à méditer, je méditais. Et puis deux sujets me montent à cœur, l'amour et la miséricorde. Mmh. J'étais en train de dire, ok, je vais chercher par rapport à l'amour. Quand tu as parlé de la colère, mmh. et ce qu'il fallait méditer par rapport à travailler sur l'amour et sur la miséricorde. Mmh. Et après ça, je me suis senti un peu aller de sous-sortie. Je suis venu, je me suis mis encore. Voilà, haute voix. Après ça, je me suis sorti. Qu'est-ce que vous arrivez quand vous arrivez ici? Après ça, je suis sorti de la chambre, je suis rentré encore en bas de l'arbre. Je travaillais avec les frères, mais quand ils parlaient, moi j'étais dans mon cœur, j'étais seul. Je savais que quelque chose me dérangeait à l'intérieur de moi. Je n'étais pas tranquille. Et après, quand je suis entré, je me suis assis. On a ce qui s'est passé. Puis le frère. Parle encore une fois. Après, le frère est entré. Le frère est entré. On a lu les passages. Mm-hmm. Les passages. Tu étais content quand on a lu le passage là? Bon, c'est vrai, j'étais quand même. J'étais fier. Mm-hmm. Oui, mais quand tu as parlé qu'on doit prier par rapport. Qu'on devrait prier par rapport à nos familles, les liens qui. Oui, ça va tomber. Et j'étais fier. J'étais au-delà de moi, je dis Seigneur, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, mm-hmm. merci Seigneur. Il fallait passer vraiment la prière qu'il fallait pour moi. Mm-hmm. Et oui, je rendais grâce à Dieu, je rendais grâce à Dieu. C'était le premier, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'était le premier au soir. Il a quitté là-bas seul avec le dos, venu jusqu'ici. Là, voilà. Et dis-nous tout ça. Je rendais grâce à Dieu. Mm-hmm. Et après, au moment qu'on a commencé à crier, je voulais crier comme n'importe qui, mais je sentais comme une voix de femme. Mm-hmm. Et ce n'est pas moi qui ai en train de crier comme ça. Là. Et puis, je suis resté tranquille. Mm-hmm. Après, c'est comme ça que c'est comme si j'entendais, je ne sais pas quoi. Mes os étaient en train de recevoir les bruits. Les bruits étaient vraiment si forts que je ne pouvais même plus me retenir. C'est comme ça que je me suis mis à remplir au sol tout ce qui est ici. Là. Mmh. Après, quand je suis arrivé ici, là,
Je me suis relevé, je suis encore allé, je me suis mis encore à crier, à crier. Tu as dit, qu'est-ce que tu as... comment tu as fait pour quitter là? Tu quittais, tu viens jusqu'ici, pourquoi? Avec le dos, et tu es venu avec le dos. Je me suis pas questionné à l'heure. Mon but, c'était de crier seulement. Je criais Alléluia, Alléluia. Plus je criais, plus je ressentais qu'une voix intrue était en moi. Une voix intrue était en toi. Oui. Quand je criais comme ça, et puis, c'est comme si quand je suis quitté ici pour aller là-bas, la voix dissimulée. Et puis, quand je criais encore fort, c'est là où maintenant je suis encore tombé, je suis encore revenu ici. Tu es encore revenu au même endroit? Oui, au même endroit. C'est là où elle me dit que mon corps l'appartient. Que ton corps lui appartient. Oui. Et puis, elle dit qu'elle se sent à l'aise dans mon corps. Ah, tu es un bon garçon. Laisse-moi vivre là-bas. Oui, c'est... Après ça, je me suis encore relevé. Je suis encore allé pour crier. Plus fort. Et c'est là où ça m'a encore... J'étais encore à terre. C'est là où je me suis mis à vomir et je ressentais comme si c'était de la bile. Oui, je me suis mis à vomir. Et puis la voix a dit que c'était depuis 1900 quelque chose qu'elle a mis quelque chose en moi. 1900 quoi? Tu es né quand, frère? 95. Donc 1900 quelque chose qu'elle a mis ça en toi. Oui, qu'elle a mis ça en moi. En fait, quand je suis né, fait quelque chose comme ça. Et puis elle a dit qu'elle s'en va. Et quand la voix a dit qu'elle s'en va, c'est là où je me suis senti à l'aise. Je me suis senti à l'aise. Oui. Je me suis senti à l'aise. Et après ça. Tu es à l'aise maintenant. Oui, je suis à l'aise. Dis maintenant, gloire au Seigneur. Libre en effet. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Non, non, pas demain. J'ai une question pour ce qui s'est passé hier. En fait, j'ai une question. Oui, questionne-nous. Oui. La question que je vais poser, c'est que comment est-ce que je peux sortir de moi? Et je me regarde, je vois que je suis en train de crier Alléluia. Et je suis de l'autre. En fait, j'étais ici, j'étais là-bas. Je suis là-bas en train de crier Alléluia et je suis au même moment en train de voir comment je suis en train de crier ici. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. On va essayer d'interroger le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 1 à 3, d'accord? Et frère Junior, s'il te plaît, permets-moi. Avant-hier, deux jours avant, pendant que j'étais en train de prier, j'étais prosterné dans ma chambre, j'étais en train de prier. Et subitement, un esprit, comme tu avais dit qu'il y a nos grands frères qui sont en haut. Daniel. Dans les nuées, oui. Dans les nuées, voilà, effectivement. Directement, l'esprit de Philippe, parce que c'est le nom que j'ai entendu, qui est venu entrer en moi. Tu as eu peur? Non, mais je me suis posé la question que... C'est comment donc je vais encore voyager, je vais voyager comme Philippe voyageait. Non, quand c'est Élie, quand on dit qu'il va marcher avec l'esprit d'Élie, ça ne dérange personne. Mais si on dit Paul, maintenant ça dérange, pas vrai? Parce que vous avez entendu parler justement de l'esprit d'Élie, il marchera avec l'esprit d'Élie. Il marche avec l'esprit d'Élie. Quand on dit l'esprit d'Élie, ça ne dérange personne. Mais si on dit maintenant que l'esprit de Paul, l'esprit de Daniel, on n'a jamais entendu parler. La religion, termine d'abord comme cela. Viens ici, mon Dieu. On va finir avec Papa Sou. Parce que Papa Sou, elle va nous clamarder dans les dimensions ici-là. Alléluia. Amen. C'est toi qu'on envoie quand tu suivais quelqu'un. Après tu fais comme ça, waouh. Tu tombes toi. Oui, pour cette étape là. Oui. Pendant que j'avais la main sur elle, j'étais en train de prier et après, je suis en train de prier, mais en même temps, je me sens en train de partir, de décoller. Mais également tu pries en décollant. Mais me sens en train de décoller. Je veux insister, il n'y a pas moyen. Je veux insister, mais ma main descend seule. Quand je suis tombé, quelqu'un m'a retenu là, mais je me retrouvais soit en Gaoudéré, soit quelque part à Douala aussi. Oui. En même temps. Donc, en même temps, j'étais auprès de ma mère. Oui. Oui. Avec mes frères là-bas. Donc, le frère, vous partez, il prend le raccourci. Attendez. Donc, les gens ont compris maintenant que vous voyagez, il faut qu'il vienne en assemblée. Parce que pour aller en Gaoudéré, il va aller prendre Dana Express, il va commencer à marcher. Il ne parle plus, il vient lui ici, il dit, il décolle. Ouais, il parle auprès de sa mère. Sans payer, sans accident en route. Continue, mon frère. Oui. Et étant couché là, j'étais tout simplement en train de prier et de briser tout ce qui retenait la famille. Je me suis retrouvé même à l'extrême nord, dans mon village. Mais je me baladais carrément. Oui. Et en tout temps, tu es ici debout. Je suis ici. Et en même temps, ma conscience me disait que, car
tu étais en train de... Tu avais la main sur quelqu'un. Mm. Tu vois qu'est-ce qui se passe là. Donc tu étais dans l'esprit, tu as en train de... Oui, oui. C'est comme si je raisonnais. Mm-hmm. Je raisonnais que maintenant, tu étais en train de me poser la main sur quelqu'un ici là maintenant. Mais comment se fait-il que tu vois que ben, c'est pas normal là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui ne va pas. Mm-hmm. Quand je me suis réveillé, tu m'as poussé sur le pied comme ça, je me réveille. Je pense. Ça ne donne pas, je ne vais pas m'asseoir. Mm-hmm. Ça, c'est rien. Pendant les 21 jours. Oui. J'ai eu une peine énorme ce jour-là pour arriver. Il était 17h58. Mm-hmm. Dès que j'arrive, qu'est-ce que tu as me dit que mon ami reste là-bas. Que reste là-bas, il est à 18h. Mm-hmm. En ce moment, je me rappelle de tous les efforts que j'ai fournis toute la journée pour arriver là. Mm-hmm. Tu viens quand même arrêter à 18h, là, parce que tu dois rester. Il manquait une minute. Qu'est-ce que tu as dit que tu restes là-bas. Mm-hmm. Je me prosterne là dehors, mmh. Je vous assure, j'étais. Pendant que je me prosterne, c'est comme s'il y avait des êtres sur ma tête qui me pressaient. Mmh. C'est comme ça m'appuyait au sol. Et je me tourne, je veux prier pas moyen, je suis très oppressé. Mmh. Et il y a une obscurité qui m'enchaînait, étant là dehors. Mmh. Oh, vous êtes à l'intérieur, si vous êtes à l'aise. À l'impulsion. Mmh. Moi, je suis à l'extérieur. Christ, tu ne peux pas te laisser passer. Non, mmh. Je suis dans l'obscurité. Mmh. Et après, subitement, je regarde derrière moi. Il est là. Mmh. Il est tout derrière moi comme ça. Comme ça. Et son épée était droit devant lui comme ça. Comme le soldat des gardes de la reine. Dès que je me prosterne, la prière, dans la façon dont je suis entré là-bas, là, mmh. C'était grave. Mmh. Le jour en crise, je lui ai dit que mon frère, tu as allumé le feu dehors, mais plus que tout ce qui s'allait. Et je me rappelle ce jour-là, papa est venu aussi en retard. Quand il vient en retard, il se place au même niveau de lui. Mmh. Il dit, perso, affaire si la mort. Mais elle ne sait pas pourquoi tu disais ça. Oui, oui. Mmh. Il dit qu'après, là, il va mieux nous couvrir. Mmh. Il va mieux nous couvrir. C'est là. Quand tu es là-bas, tu as un pied dehors, un pied dedans, viens ici à côté comme ça. Là. Ce jour était merveilleux. Merveilleux. J'étais en ébullition. Mmh. Parce que j'avais directement le passé avec l'ange des ténèbres, campe autour de ceux qui le craignent. Mmh. J'avais l'assurance totale. Mmh. Là où j'étais là, même le camion ne pouvait me déplacer. Donc tu étais finalement content de ton retard. Oh là là, le retard. J'ai eu l'impression que c'est comme si la salle était même jusque-là dehors. Oui. C'est comme si j'étais dans la salle sans être dans la salle. Mmh. Voilà, puis c'est comme si dans la salle. Juste pour arranger ce que tu as dit tout à l'heure. Là, à l'extérieur, là, ils sont présents. Mmh. Ils sont présents. Oui, ça m'a tellement fortifié pendant cette période. Pensez-y seulement que nous ne sommes pas seuls. Que quand vous passez, quand vous traversez derrière là, on gagne les voitures. Donc vous arrivez comme ça là, vous passez devant les aides, ils sont toujours là. Ils font juste comme ça. Vous faites papa atteindre le téléphone. On dit que c'est ici, on dit qu'elle a atteint le téléphone, c'est ici qu'elle a atteint le téléphone. Alors, ils sont debout là, je vous le dis. Donc tous sont dans la salle. Priez seulement en secret que dit Seigneur, donne-moi la grâce de les voir. Il faut la grâce pour que vous les voyez. D'accord? Maintenant, je continue. Priez soir. Hier soir, non oui. Pas pour hier soir. Le dernier jour des 7. Depuis le 7, tu n'as pas encore parlé. Oui, je n'ai pas parlé. Oui. Ce jour-là, j'étais couché ici. Oui. J'ai tellement prié, parlé à Dieu ce jour, je causais avec lui. Mmh. Il ne me répondait pas. C'est comme si je me suis fâché. Oui. Je vois Atutu devant moi. Mon petit Atutu. Atutu, c'est mon premier fils. C'est pas donc, possible. Il voit le petit devant lui qui cause avec Dieu et Dieu lui donne l'esprit. J'étais là, j'ai parlé, toutes les paroles de mon corps, c'était fini. Je vois Atutu. J'ai dit non, c'est pas possible ça. J'ai dit Seigneur, ce n'est pas possible, je ne bouge pas ici là. Comment tu peux donner un enfant et qui s'il vous plaît, comme moi? Je me suis rappelé que pendant 9 mois, j'étais avec ma femme. Dans la chambre, nous vivions ensemble dans la chambre pendant 9 mois. Mmh. Je ne touchais pas ma chambre, ma femme comme ça. Mmh. Pendant 9 mois, on dort même lit, on cause seulement, on prie, on s'exhorte, on prie, on s'exhorte. Tu ne fais même rien. Comme bizarre. Rien. Mmh. Je me rappelle de ce jour que, père, tu m'as amené dans ce trajet-là. Mmh. Je ne touche pas ma femme comme ça là et j'arrive ici. Père, tiens, tu me le fais. C'est pas possible ça. J'ai refusé l'autre là. J'ai dit qu'ici là, jamais. Comme jusqu'à Atutu. Ah, mon petit Atutu. Non, c'est pas possible ça. Ma part doit sortir ici. Je reste là. Je parle. Le type ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Et c'est le dernier jour. Et le dernier jour. Merci. Et il y a un détail. C'est que pendant tous ces 21 jours, tu te rappelles ce jour, j'étais pour jeudi ici là. Mm-hmm. Tu as mis la main dans mon ventre comme ça. J'ai ressenti quelque chose qui est entré. Ça a tourné dans mon ventre. Et après, c'est parti. Mmh. Depuis ce jour, tout le monde était sous. Sauf toi. J'étais là, on m'a dit que, mais attends.
qu'est-ce, avec tous les efforts là, avec tous ces... 9 mois de privation spirituelle. C'est pas possible ça. Littal. Non, 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 c'est un, ça littal. C'est un problème. 9 mois de privation spirituelle littal. Mais il vient donner un petit gamin à côté de toi. C'est pas possible. Il fait comme ça que l'enfant soit qu'à côté de toi. Tu observes. Tu dis merde. Je suis à genoux là. Et à un moment, j'ai fini de parler avec lui. Je lui ai dit que bon, je dis à Dieu, comme j'ai fini de parler là, si je me lève là, je sors. Je lui ai dit que comme je me lève là, je sors. Ma femme va me sentir. Je sors. Je ne suis plus là. Je veux me lever. Pendant que je vous assure, si j'arrivais à me lever, il devait sortir. Mais pendant que je veux me lever, c'est comme si les mains qui retenaient. Tu avais remarqué ce jour-là. Je me levais avec beaucoup de peine. Je suis comme, c'est comme si on attachait la chaîne au sol. On attachait mes bras au sol. J'ai fourni tous les efforts. Et j'arrive dessus. J'arrive à prendre l'appui si je me lève debout. Mais jusque-là, ça m'a tiré le sol. Que tu ne vas pas te lever. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre que non, le Père a écouté ma prière. Je suis petit jusqu'à là. Je fais encore les efforts de rester debout. Je reste debout comme ça. En attendant, tout autour de toi, tout le monde est sous. Au sol. Jusqu'à là, on a coupé la lumière. Non? On ne gérait pas ça. Je veux maintenant lever le pied même pour sortir. Ah, ok. Ce que j'ai remarqué, c'est comme si le sol était comme une toile d'araignée. Mais vous voyez les lasers souvent qu'il y a dans les films là. C'est comme si les lasers sont comme tout si tu mets là-bas, ça va couper ça. Tout le sol là, il y avait des traces de lasers. Des traces de lasers. Donc, ce qui est sûr et certain, même la fourmi passée là, ça devait prendre. Donc, ça m'a retenu les jambes. Et je me suis accroupi d'abord. J'ai encore élevé, c'est où tu es venu souffler. Ce vent, quand c'est venu, c'est donc à ce moment que j'ai ressenti ce que les autres ont eu à ressentir dans les actes des apôtres. J'étais devenu ivrogne ce jour. J'ai reçu ce vent, c'était aussi glacé. C'était, je parlais même ce jour, j'ai dit, tu n'es ni chaud, tu n'es pas glacé, tu es froid, on n'arrive pas à te comprendre. On n'arrive pas à te comprendre. C'était incompréhensible. Et tu étais sous. J'étais ivre. Applaudissements pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que tu dois une offrande à Achuchu. Parce que c'est Achuchu qui t'a galvanisé. On est d'accord. Oui. Quand tu as vu Achuchu, en tête Achuchu, tu dis Seigneur, il pleure parce qu'il est là. Tu dis même le petit Achuchu que j'ai vu naître, il a. Donc, tu lui dois une offrande, pas vrai, frère? Jusqu'à. Parce qu'il t'a galvanisé. Il m'a boosté. Oui. Achuchu m'a boosté. Oui. Maintenant, je vais clôturer en disant ceci. Avant-hier d'abord, oui. Quand tu m'as demandé de prier, de me poser les mains sur la dame là. Oui. Pendant que j'impose les mains, tu me dis mets les mains sur la tête. Oui. Je mets les mains sur la tête. La voix me dit souffle sur elle. Oui. Je dis à la voix non. Il m'a été dit de me poser les mains sur elle. J'insiste, la voix dit souffle sur elle. Maintenant, pendant que j'ai les mains imposées sur elle, j'enlève la main. Je souffle. En soufflant, c'est comme si les aiguilles qui sortait de ma bouche. C'est comme des flèches qui sortaient de ma bouche. Donc, je pouvais ressentir. Elle nous a dit que le gars qui mettait la main sur moi, c'est qu'on dit que c'est un frère Patrick. Il dit mince. Il a mis la main sur moi. Et le feu, c'est non qui venait dans le moment. Et pendant que je souffle comme ça, là, j'étais en même temps en train de dire que, hey, donc ça veut dire que même moi, je peux souffler, ça réagit. Même moi, je peux le faire. J'ai continué à le faire. Et quand j'ai senti que ça se passait. Amen. Je me suis levé. Si vous avez remarqué ce jour, j'ai levé la main. Je dis que merci Seigneur. Donc même moi aussi j'ai ça. Même moi aussi. Donc c'est ici, dit dans ici. Amen. Donc il y a un être étranger avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Merci. À présent, mon masseau. Dès qu'il se lève comme ça, ça rendit Alléluia. C'est l'accomplissement. De quoi dis-nous avant qu'il nous donne le coup. L'accomplissement de quoi, ma soeur? Dis-nous. C'est vrai qu'il y a des choses que vous dites dans la chambre. Donne-nous certains détails. Ouf, merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Et c'est vrai, je n'étais pas là hier. Mais je veux rendre grâce à Dieu. Parce que ça, c'est l'accomplissement de mon cœur. Et ceci depuis longtemps, même à nos débuts. J'ai décerné quelque chose en sa vie que lui-même ne connaissait pas. Le serviteur du Seigneur. Ceci dit, même dans
dans les moments de faiblesse d'un homme, je pouvais pleurer. Et je pouvais toujours le recommander au Seigneur. Parce que je voyais la flamme. Et cette flamme que je voyais l'ennemi vouloir éteindre. Et toutes les fois, je disais, Seigneur, même si pour moi tu ne peux rien faire, mais ce que tu as dit en lui, que ça se glorifie. Donc chaque jour, chaque fois quand je viens, il est toujours en train de boire. Je rends grâce à Dieu. Je dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même pendant que je ne suis pas là, le Seigneur fait. Tu sais que quand il va partir, il va boire. Il va partir. Et si ça dépendait même que de moi là maintenant, c'est que je le laisse même partir seul. Parce que je sais que le travail est déjà là. Est là. Amen. Et que le reste, ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Allez, mon Dieu, regarde tout ceci. Les gens ont trop vu les gens là-bas. Non? Bonsoir, Papa So. Bonsoir, frère. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir, frère. Tu étais ici hier soir, on a crié Alléluia. Amen. Mon épouse, tu es béni. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses ont été dites ici, mais j'ai reçu quelque chose qui m'a particulièrement marqué et qui m'a marqué un peu plus que tout ce que j'ai fait hier, que j'ai reçu hier, c'est que suivons les instructions. Amen. Et nous avons, il a posé une question ici qui sonne comme un engagement, en fait qui est un engagement, et il a dit, est-ce que je peux compter sur vous sur pour le suivi de l'instruction? Je ne peux pas transcrire ça, je ne peux pas dire ça comme il a dit. Mais ok, c'est un peu cela qu'il voulait dire et puis nous avons tous dit Amen. Amen. Et justement, ce qui s'est passé hier, sauf si cela s'était passé avant que je n'arrive, jusqu'à ce que nous soyons tout le temps que j'ai vécu avec nous ici, cela ne s'était pas encore passé. Nous avons souvent toujours loué le Seigneur, mais pas de cette façon. Donc c'était particulier, c'est la première fois ce qui se passait hier, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois. Et lorsque les choses se passent la première fois, il y a des questionnements. Et l'une des personnes qui s'est questionnée en premier, c'était moi. Avant qu'il n'arrive, j'étais en prière. J'étais vraiment en train de prier. Parce que le soupir de mon cœur, justement, c'est que le Seigneur relâche ce que depuis très longtemps, je sais que ça existe. Amen. Amen. Alors hier, quand il est arrivé, il a donné des passages bibliques que nous avons notés. Et puis après, il a dit, criez Alléluia. C'est vrai que ça m'a paru étrange. Parce que quand il a dit crier Alléluia, il a commencé à crier le premier. Alléluia, parce que c'est lui qui donnait le timing, c'est lui qui donnait le tempo. Il a crié fort, très fort. Et puis, cela m'a entraîné moi aussi à crier très fort. Et à un certain moment, mon raisonnement est entré. Mais on n'arrête pas, ça va, non? C'est quoi ça? Et à l'instant, je me suis souvenu de quelque chose qui a marqué ma vie. Mais que j'avais oublié. Quand j'étais jeune, j'avais exactement 5 ans. J'étais à l'école maternelle Saint-Quisito de Consama, au quartier 3. Dans un gars, l'incon. Ouais. Alors, notre papa nous avait interdit, lorsque nous rentrons à la maison, de passer par le goudron. Il y avait une route qui passait dans le quartier. Nous ne devions pas donc passer par le goudron. Et ce jour-là, nous étions passés par le goudron et dès que j'ai traversé la route, je l'ai vu venir. Vu qui? Mon père. Oui. Je l'ai vu, il venait. Et j'ai repris la route pour rentrer. Et pendant que je prenais la route pour rentrer, un taxi m'a cogné. Alors j'ai perdu la connaissance, on m'a amené à l'hôpital. À l'hôpital, je suis sorti de moi. Le Seigneur m'a transporté quelque part où j'ai vu, dans cette dimension,
il y avait du monde, pas des hommes, mais des êtres. Ça, c'est à l'âge de quel âge? 5 ans. 5 ans. Il avait la traversée des dimensions. Et exactement, ils étaient en train de faire ce que nous avons fait hier. Alléluia! 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 Donc, de 5 ans jusqu'à hier, tu avais oublié ça? J'avais oublié complètement, je ne savais pas. Enfin, ça ne faisait plus partie de moi. Et... Magnifique Jésus. Pendant donc... Enfin, j'entre dans l'épisode de quand j'avais 5 ans pour revenir à ce qui s'est passé ici hier. Alors, hier donc, je suis ici en train de prier. À un certain moment, il a fait exactement comme il fait souvent. Il m'a transporté. Je suis parti brusquement. Donc, je suis sorti de moi. Ça ne fait pas léger. Enfin, je ne me vois pas faire. Oui, mais là, c'est vitesse. Alors, je suis parti une fois. Et je suis arrivé donc là-bas. Je me suis vu quand j'avais 5 ans. Dans cette dimension-là. Parce que quand j'étais arrivé là-bas, moi-même, je louais. Je disais Alléluia, Alléluia. Et je me suis donc vu en train d'adorer. Non, de louer le Seigneur à cette époque-là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et c'est là où il m'a été révélé que ce jour-là, je suis rentré à cause de l'œuvre que je suis censé accomplir. Donc, après mon accident, j'avais été transporté. Et si je suis revenu, c'est à cause de la charge que le Seigneur m'avait donnée. Amen. Le Seigneur davantage continue. Parce que l'autre jour, je disais que j'étais l'évêque du frère Junior. Que le frère Junior avait dit. Et puis, et après, je suis devenu l'évêque de l'esprit. Que le Seigneur a consacré. Amen. C'est hier que j'ai compris le pourquoi j'étais. Enfin, le pourquoi je n'étais pas mort quand j'avais eu. À l'issue de cet accident-là. Ça t'a ramassé, on s'est poum, tu allais en l'air, tombé, oui. On portait ta main, faisait comme ça. Oui. Et maintenant, j'ai la certitude, j'ai l'assurance. Parce qu'on parle d'œuvre de Dieu. On parle des ministres du Seigneur, on parle des hommes de Dieu. J'ai l'assurance que j'en suis un. Amen! Parce qu'avant ça, je suivais la file. Je faisais comme on fait. Mais le Seigneur m'a donné l'assurance hier que ce n'est pas que j'avais été prédestiné. Et c'est même, il a, enfin, je suis revenu, c'était pour cela. Et je rends grâce au Seigneur. Lorsque donc j'étais dans cette dimension en train de louer, je me suis donc retrouvé en train de louer comme les gens. Donc, je me voyais à 5 ans. Et je voulais encore louer, moi qui étais en train de regarder les gens en train de louer. Donc, je louais. Un peu comme et il criait quoi là-bas? Alléluia. Yeah. Tout simplement, rien d'autre. Applaudissons pour le Saint-Esprit. Alléluia et rien d'autre. Et une pensée m'est venue pendant que j'étais là-bas. Parce que je me voyais... Quand j'avais 5 ans, et je me voyais donc à ce moment hier là, je me dis que maintenant... Toi, il y avait deux toi. Oui, j'avais deux moi. Un toi, papa Sou qui est là grand, un toi qui voit quand tu étais petit, que tu es 5 ans, et que tu es là-bas, tu es de louer. Magnifique Jésus. La pensée est venue dans mon esprit et je me suis dit que mais attends, donc depuis que je suis parti de là, tu ne dis que je suis revenu ici, tu dis toujours Alléluia. La seule louange, c'est Alléluia. Amen. Et là, j'ai rendu grâce à Dieu pour le frère Junior, au Seigneur pour le frère Junior. Parce que ce n'est pas seulement ici. Même avant, partout où je suis allé, j'ai jamais entendu Alléluia. Alléluia, c'est une rhétorique. On dit Alléluia, on dit Amen. Mais en tant que chant de louange pour ouvrir les cieux, c'est la première fois. J'ai vécu toute la grandeur, la puissance, l'immense,
l'autorité qui se trouve dans Alléluia. Mmh. J'ai vécu ça hier. Et je rends immensément grâce et gloire au Seigneur. Amen. Après, pendant que nous étions donc en train de louer Alléluia, Alléluia, vraiment, je vais encore revenir sur c'était bon à moi. Amen. Amen. J'avoue encore, je le confesse, je ne voulais pas rentrer. M'assois dit que hé le pain. Je ne voulais pas revenir. Et en tout cas, quand vous allez goûter l'endroit là, vous allez savoir de quoi il en est parlé. Je ne voulais pas revenir. J'étais dans la louange. Et puis à un certain moment, j'ai senti cette force qui m'avait fait traverser le porte, la porte la fois dernière. Il dit que mon ami, c'est le moment de rentrer. Cette force là est venue encore me prendre. Et là, vraiment, j'ai résisté. Que je ne sors pas. Non, non, non. Et j'ai même invoqué le nom du Seigneur. Que je résiste à ces forces, c'est au nom de Jésus. Je ne traverse pas la force, la porte, c'est pour partir au nom de Jésus. Et puis c'est là où j'ai compris, encore une fois de plus, le verset que l'apôtre Paul dit, que la mort pour moi est un gain. Amen. Non, c'est vous qui devriez penser que je suis mort. J'étais dans une réjouissance. Amen. Frère, il y a ce cantique qui dit lorsque je serai en train de. Lorsque mon dernier soupir. Lorsque Est-ce mon. Est-ce qu'il n'y a pas de refrain de cantique que c'est personne Mon Jésus, je t'aime, je te serre à moi. Chante alors. Yeah.
Alléluia. Donc, quand la voix sera expirant, quand le dernier soupir est en train de sortir, aussi sûr que nous sommes ici, nous traversons le rideau de temps pour être au-delà avec les élus, pour louer que Seigneur Jésus, je t'ai aimé sur la terre, je t'aime pour toujours. Je t'aime, oh Jésus. Ouvre ta bouche et dis à Jésus combien tu l'aimes. Dis-lui, 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 dis-lui. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Père, je t'aime. Alléluia. 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 Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes, que tu l'aimes, que tu l'aimes, au-delà de tout. Seigneur Jésus, je t'aime. Je t'aime, mon Jésus. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. 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 Dis Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui que tu l'aimes. 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 Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui. Dis-lui que tu l'aimes.
Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Seigneur Jésus, je t'aime.